Merde. Putain. Vous l'avez vu l'alerte ou pas du coup? Attends, c'est bon, elle est au-dessus. Ah, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ok. Ouais. Ah, mais attends, mais j'ai ton stream en double ou quoi? Bonjour tout le monde. T'as mon stream en Attends. double. Ah. Ça veut dire qu'il y a un volume Non, non, quelque non. part. Non, my bad, my bad. C'est bon. Tout a l'air de C'est. fonctionner. Tout a l'air de fonctionner. Oui, tout fonctionne. Alors, bonjour tout le monde. Excusez-nous pour ce petit Alors. contretemps entièrement lié Pardon, à je moi. suis Oui, je technique. l'ai vu. Puisque je suis un sombre Je l'ai abruti vu. qui dort beaucoup. Qui dort beaucoup. Et du Et coup, du on coup, on commence une commence une demi-heure en demi-heure en retard à retard cause de à cause de moi. moi. Mais Mais on va on va finir une demi-heure plus tard aussi, Ah, donc pas c'était de ta soucis. faute, c'était pas la faute à Eratum. Non, Non, c'était ma c'était ma faute, faute, entièrement entièrement ma ma faute, faute, j'assume. j'assume. Je me Je suis me levé suis trop levé trop tard. tard. Let's go le Let's go le jeu. jeu. On On va va peut-être peut-être lancer lancer la la partie partie dans dans le le temps, temps, parce parce que que là, là, les les gens gens nous nous entendent entendent en en double. double. Oui, mais moi j'ai cliqué sur prêt. Il manque le monsieur. Moi Moi aussi. aussi. Et j'ai mon Let's go! petit. Il est là, je remets mes têtes où il faut. Et. Donc, we were here too, suite Donc, directe we de were here. We Were Here qu'on a fait la semaine dernière, le mercredi dernier. Cette fois, le jeu est payant, donc on espère qu'il sera un peu plus long. Tout Peut-être qu'il nous faudra suite deux streams directe pour le de We finir. Were. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais je vais devoir filer à 16h30. Avoir filé à 16h30, je suis charrette comme on dit. Et je. Genre ils l'ont pas vu avant le château. Il y avait du brouillard. Ah. En même temps, c'est toi, t'es Ah, il y a peut-être des tout effets 3D. C'est pas possible, à chaque fois que tu m'emmènes traîner dans la neige, on est coincé. Ouais. Ça va encore être de ta faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute. N'empêche que c'est moi qui meurs à la fin. Bon, je me rappelle pas de ça. Bonjour et bienvenue, Monsieur Snake. Alors, par chance, ce jeu est payant. Il y a donc une disposition de traduction. Yes, tout à fait. Jeu en français. Même s'il y a un petit skip. Ok, donc là, ça devrait déjà être plus. Sympa à entendre pour vos petites oreilles, puisque on n'a Alors. plus l'écho. Alors, le jeu est sensiblement le même que We Were Here, hein, même interface, même système d'énigmes. Point d'exclamation multi, d'ailleurs, je crois, dans les deux chats pour avoir nos deux visions au cas où. Quoi d'autre? Alors maintenant, il y a la possibilité de s'accroupir et de courir. Autant vous dire que je sens qu'on va se faire courser et qu'il va y avoir 2-3 moments de stress intense. Monsieur Castille. Quoi d'autre, Miss Angèle? Je verrai par la suite, mais j'ai votre micro qui a des faiblesses. Ah! Il y a des fois je t'entends et des fois plus ça coupe. Allô, allô, allô? Non mais c'est Allô? bon, 1, 2, 1, on 2. verra au fur et à mesure, mais pour l'instant non, ça va. Je pense que ça vient de chez toi parce que j'ai rien changé. Mais bon, tu me diras, t'as rien changé non plus après. T'avais pas de problème en plus quand on était en vocal avant le stream. Non. Ok, bon. C'est sûrement. Ah, Dosti est trop fort par rapport à moi. Dosti. Ok. Ah, Dosti, il va falloir te baisser un peu. Ouais, bah réduis mon son. Je. Oui, je Aujourd'hui, je suis en m'occupe forme, donc j'ai la voix juste de qui gratte. réduire que ton son, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais moi, à 50, un truc comme ça. Oh. Je me crame les fesses sur des bougies. Tu
bougie extrêmement. Et je tiens à noter quand même que nous sommes sur un stream pour adultes. Hein? Bah pas chez moi. Pas chez moi, mais bon. Alors, juste un dernier truc, c'est bon. Je baisse un tout petit peu le son du jeu chez moi, à moins que. Attendez, on va. Est-ce que Snake c'est bon? Le son. Ouais, je baisse un tout petit peu le son chez moi. J'ai plus ma souris sur le jeu. Qu'est-ce qui m'a. Ok. Il faut que je rebaisse. Faut que je baisse encore. Allez, on y retourne. Et les manips qui me font faire là. C'est vraiment. Tout ça pour plaire aux viewers, non mais sérieux. Ouais. Comme si on streamait pour les viewers quoi. Ça, moi si je stream c'est pour moi. Moi c'est pour te tuer. Ouais aussi. Alors nous avons fait le setup. Alors Monsieur Snake, nous avons fait le setup avant, sauf que le réglage de son nous ne pouvons pas le faire avant. Bah si, moi je l'avais fait avant. Bah écoute, j'ai pas changé d'habitude, mais là il me dit que mon son de jeu et toi vous êtes trop fort. Moi j'ai baissé le son du jeu, c'est vrai qu'il est très très fort quand t'arrives dans le jeu, donc non, mais j'ai ça, rebaissé un petit peu là maintenant. Mais ouais, je vais rebaisser le son, mais en fait le truc c'est que moi je peux pas régler. J'en profite pour dire bonjour à... Tu m'entends là ou pas? Oui. Ah merde, normalement je vais changer. C'est pas grave, je vois ton chat, donc s'il y a du monde, bonjour Jacques tout simple. Bonjour, oui, j'appuie sur le chat de Dosti. C'est ce que j'allais dire, mais normalement j'avais mis une touche pour push to mute que j'ai dû désactiver. Push to mute. Il y en a, ils font du push to talk, mais. Et donc ils m'ont dit baisse le son du jeu. Ouais, bah moi je l'ai fait d'entrée de jeu. Parce que je suis un meilleur streamer que toi. Bah voilà. Je l'avais fait, mais pour moi c'était bon dans mes oreilles quoi. Ça mais, roule. Je vais laisser, voilà. Et j'ai toujours une touche pour vous casser les oreilles. Il s'agit de la touche P. P, 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 P. Ah mais non, parce que là tu m'entends plus en double vu qu'on a baissé le son in-game. Bah oui, on a coupé le son pour les... Des talkie-walkie. Comme quoi ça a été... C'est vraiment un stream professionnel. Enfin genre là, ça fait 5 minutes qu'on est en jeu et qu'on est en train de régler les... Mais c'est quand même un stream professionnel. Ouais, j'ai une porte. La porte est verrouillée. Bah je me balade. Hein. J'attends moi que aussi, Snake... je me balade, mais... Il a dit... Snake, il a dit c'est un pec, alors je me balade. Bah moi aussi je me balade, je t'attends depuis tout à l'heure. Je me crame les fesses sur un chandelier parce que je t'attends depuis tout à l'heure. Oui mais bon, j'ai compris ça, que tu aimais te mettre des bougies dans le... Non, c'est pas le cas. J'ai une alcôve avec une grille. Alors moi aussi, j'ai une alcôve avec une grille et en face de moi, j'ai un espèce d'hôtel. Avec 3 symboles. Et en fait, je peux tourner les symboles pour en afficher d'autres, tout simplement. Et ensuite, j'ai une petite tirette sur le côté et si je tire dessus. Je verrai. Tu tires sur ce que tu veux. Oui. Tu tires sur la tirette et le machin se déroule et là, la c'est ça. Ouais. J'ai 1, 2. Bah celles-là sont pleines. C'est sympa, j'ai des cercueils. Moi aussi, mais c'est ambiance... Non mais c'est un peu d'horreur en fait. J'ai deux... Bah comme la chauve-souris de la dernière fois. J'en ai deux qui ont des cercueils et deux vides. Des alcoves. Donc au total, j'en ai 4. Ok. Est-ce que t'es sûr que c'est là moi, J'ai des... Comment dire? Des cercueils aussi, ouais. Mais je pense pas que je pense que c'est juste du décor pour moi. Ok. Alors on va faire le premier alcôve, on va voir si ça fait. Est-ce que t'as des sigles ou des trucs comme ça? C'est la petite maison avec la bouche ouverte comme la dernière fois. Ah, ça tombe bien, je l'ai. Alors en premier, c'est ça? Bah ils sont. Moi, elles sont disposées l'une en fait. T'en as deux d'un côté, de la droite, deux à gauche. Cherche pas, genre la maison avec la bouche, je l'ai que sur 3, donc c'est forcément sur le troisième pour moi. Ok, bah voilà. Moi, je te donne les signes, tu te démerdes. Ouais, j'ai compris. Alors. Je fais juste un petit tour sur Discord pour régler.
Mon push to mute. Et je Ouais, reviens. mais laisse-le, ton push to mute. Non. 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 Après, tu me sortiras un espèce de verre à pied. Attends. J'arrive. Non, j'attends pas. Appuyez pour rendre muet. 3. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai setup, on push to mute. Alors, tu m'as dit un espèce de chandelier, c'est ça? De verre à pied, ouais. De verre à pied, c'est exactement ce que j'ai dit. Un verre à pied Alors. avec une espèce de tiron en dessous. Ouais, avec genre des espèces de petits bras qui montent les muscles, comme ça. Ouais. Ok, je l'ai. Avec une tête plate. Ouais, c'est ça. Genre quand t'as pas été chez le coiffeur. Ouais, voilà. Tout à fait. Pardon, je me Il me moque. manque le dernier normalement. J'ai un sablier. Un Et moi sablier. j'en ai quatre alors. J'ai un sablier. Et Non. Attends, c'est quoi? Et moi j'en ai que 3. Attends, il est où le 4? J'ai un J'en ai que 3, on sablier est et d'accord. l'autre, j'ai une espèce, on va dire une fleur, hein, qui a pas totalement la tête fermée. Ouais, je vois laquelle c'est. Sinon, j'étais en train de me demander si c'était pas une danseuse qui était sur une troisième jambe, mais. Ben, attends, parce que moi j'ai que 3 sigles. Quatrième, attends, parce que j'ai une grande salle là, ça se trouve c'est par là. Non, mais déjà, si tu fais. Moi j'ai que 3 sigles, hein. Dites-moi si je suis fou le chat, mais là j'ai que 3 sigles, on est d'accord. Alors, attends, je vais remettre ça. Mais en fait, j'ai les 4 signes dont tu parles, mais en fait, j'ai que 3 endroits pour les placer. Donc là, le sablier, genre, c'est une espèce de chaise de réalisateur. Un sablier. Il y a un petit bâton au-dessus quand même. Oui, il y a un petit bâton au-dessus. C'est normal, Ouais. t'as le niveau du sable dans le sablier. Pas de ma Oui, faute d'accord. si c'est Ok, nul, hein. my bad. Ah oui, c'est vrai, faut que je clique comme ça. Mais il n'y avait pas de souris. Est-ce que t'as un truc particulier dans les alcôves qui pourrait te dire lequel est pas le bon ou comme ça? Ou alors est-ce qu'il faut que je change quelque chose moi peut-être? En Est-ce que fait, j'ai moi je t'ai raté quelque dit, chose? en gros, j'ai le sablier et la fleur qui sont avec des cercueils. Ok. Et les deux autres sont sans cercueil. Ok, alors attends, j'ai une idée. J'ai deux fleurs. Le sablier et la fleur, c'est ça? Ouais, la fleur, elle est pas totalement fermée. C'est pas un rond, c'est des Ouais, non, mais c'est cornes. un espèce de losange. Ouais, Je vois voilà. ce que c'est. Non, mais c'est pas ce que je pensais. Alors, attends. Sablier, fleur. En fait, là, j'ai ça. Mais ça ne fonctionne pas. Sinon, attends. Et les autres où il n'y a pas de cercueil, c'est quoi déjà? C'est la maison et le verre. Putain. Comment on va faire? Attends, là, j'ai sablier. Ah ouais, une danseuse avec un manche à balai dans le. Elle nous disait très simplement Jablis pour. C'est pour ça. J'ai rien Ça, d'autre. Bernac. Et t'as aucune autre info dans les Ah, mais si, alcôves? mais attends, j'en ai d'autres là encore des alcôves. Ah, mais attends, il y en a partout en fait des alcôves. T'as dit que t'en avais que 3, hein. Ouais, j'en ai que 3. Alors, Pas encore. Par quoi? Clairement. tu me refais la maison. On va essayer les vides. C'est Ok. la maison et le verre. La maison et le verre. C'est quoi le verre déjà? Attends, je vais retrouver. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Et l'autre, c'est le chandelier. Et l'autre, c'est le chandelier. Ouais. Chandelier avec trois petits points au-dessus, c'est ça? Oui. Donc on a verre, chandelier, maison. Ouais. Ça ne marche pas. Alors, essaye l'autre, du coup. C'est une tête de chat sans pied. Tête de chat sans pied. Une tête de chat sans pied. Un carré avec Chandelier. des deux Ouais, je triangles et vois. puis voilà. Il n'y a pas les pieds au chat. C'était. J'ai pas ça, moi. Tête de pied sans chat. Une tête de chat sans pied. Attends, il y a juste une tige, c'est ça? Oui, et avec deux bras. Ok, c'est bon, je l'ai en fait.
Et donc la fleur avec le enjeux dessus et le sablier. Le sablier, ok. C'est bon. Ouh. Ça a marché. En fait, j'avais okay. pas vu, les autres, ils étaient pas à la même place. C'est pas grave. Point de passage atteint. Tu nous fais perdre du temps, mais c'est pas grave. Oh ça cha... Putain, ça m'a fait flipper juste parce que le jeu a changé de son. Ouais, on a changé de musique. Alors là, c'est quoi? J'ai 50 000 portes, c'est ça? Alors. Ah oui, d'accord, le jeu est en français, mais ça, c'est quand même en anglais. Donc ah, là, j'ai un livre. Ouais. Je sais pas si c'est du lore ou si genre... Je dois lire un truc. Dear B, donc cher B, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie que le moment où je t'ai rencontré et je suis honoré de recevoir ton amour en échange. J'espère que je pourrai rester avec toi pour toujours. Et je promets que ton amour éternel est aussi vibrant que mon sacrifice est grand. Pas trop compris, mais... Ok. Je ne peux pas te laisser get through with this. Je ne peux pas te laisser tomber avec ça. Je ne peux pas te destroy. Je ne peux pas te laisser détruire ce cœur fort et pur qui est le tien. Oui. J'espère que tu pourras en comprendre, pardon, les choses que j'ai faites pour t'empêcher de faire cette grosse bêtise. Je veux que tu te rappelles de moi comme quand j'étais pendant cette nuit d'été dans le jardin de Rose. Ouais. Je veux que tu te rappelles que je t'aimerai toujours et je veux que tu te rappelles que je serai toujours avec toi, même quand mon cœur ne sera plus de ce monde. Je t'aime pour toujours. Oh mon c'est dieu, beau. Quelle horreur. C'est beau. C'est sûr que c'est un film d'horreur, là, mon ami. Hein. Bah ouais, c'est ouf. Alors, est-ce que tu veux des informations sur ce que je vois? C'est alors, moi, j'ai la même chose que toi. J'ai un livre. Oui, tu as un livre? J'ai un livre. Et donc je suis dans une pièce qui fait une sorte de croix, genre église, tu vois, avec ouais. Avec un truc. Comment ça s'appelle? Un truc central avec un toit. Ouais. J'ai regardé tout autour, j'ai plein de portes de partout. Ok. Des cercueils en vrac, des bouquins et des bibliothèques tout en vrac. Et okay. En plein milieu, au milieu, j'ai un comment ça s'appelle un, donc j'ai le bouquin avec à côté des bougies et des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et sur le bouquin, il y a My Love for You Burn with. Ouais. En gros, oh, blablabla, blablabla, gna gna gna, love you forever, B. Ok? Donc ouais, apparemment, tu seras un C. Des petits frises. Le jeu a des petits frises. Alors attends, moi je t'explique ma salle. Donc salle circulaire, ouais. Avec en gros deux tableaux de chaque côté, avec des symboles reliés, des symboles encerclés, enfin dans des petits cercles, oui. Reliés entre eux par des lignes, et puis j'ai un gros rond vide au milieu et quatre petits ronds vides en dessous. Pareil de l'autre côté, exactement la même chose. Des sigles raccrochés entre eux avec des lignes. Et sauf que cette fois, ils sont pas dans des ronds, ils sont dans des losanges. Et pareil, un gros losange au milieu et quatre petits losanges en dessous. Et alors, là, au centre de la salle, j'ai un espèce de pentagramme satanique, même si c'est pas tout à fait ça. Avec six bougies. Mais bon, ça ressemble quand même, franchement. Et j'ai 6 bougies tout à fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je ah. peux allumer, mais qui s'éteignent, je pense, si je les allume pas dans le bon ordre. Ok. Voilà, voilà.
Alors, on va commencer par les bougies. Ouais, j'imagine. Par contre, c'est un peu chelou comme le truc. Jeu a des petits freeze. Hein. J'aime bien faire du parkour. Milieu en bas. C'est le 1. Attends. Comment tu sais? T'as des infos? Je t'ai dit que j'avais 6 bougies sur mon bouquin. Avec des chiffres. Ah, my bad. Ça y est, il commence des... Il se my love, machin. Faut que tu te souviennes dans le jardin avec la rose. Mais écoute un peu, papy. Commence pas. Non, mais... Alors, c'est bon, j'ai allumé la première. La 1. La 2, elle est à ta gauche. En bas. Ok, en bas à gauche. Donc, celle-là. La 3, c'est en haut à droite. En haut à droite, donc celle-là. Et après, j'ai un petit souci, c'est un peu flou, donc je sais pas trop comment te dire, mais... Et derrière, genre la quatrième est un peu floue, mais est-ce que la cinquième est la sixième? Non, mais en fait, j'ai des chiffres différents. Donc après, là, j'ai un souci, je ne comprends pas comment, dans quel sens c'est. 1, 2, 3, c'est sûr. 1, 2, 3, c'est sûr. Ouais, visiblement, puisque ça ne s'est pas éteint. Donc, je te dirais que la 4, ça serait celle en bas, à droite. À droite, du coup. Ok, bon, on va vous savoir ça. La 5, c'est en haut à gauche. En haut à gauche. Et la 6, ça serait celle tout en haut au milieu. Yep, GG. Alors, je vais te dire ce que ça a changé pour moi. En fait, je pense que du coup, il y a... je pense que la porte est verrouillée déjà. Tout à fait. Alors, il y a l'air d'avoir 4 épreuves à passer dans cette salle. Ah, j'ai un truc qui s'est allumé, ouais. Du coup, ouais, j'ai un cercle qui s'est allumé. En fait, j'ai... Ah, mais attends, j'ai... Ah, j'avais pas vu, mais j'ai une barrière aussi qui s'est fermée. Alors, en gros, je peux faire le petit labyrinthe. Enfin, pardon. Le... Comment dire? Le dessin dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est allumé. Oui, j'ai oui. J'ai la première case qui est allumée. Et en gros, les cases qui sont reliées à cette première case, je peux cliquer dessus et en gros former un espèce de dessin dans le gros cercle. Et apparemment, il en faut 4 pour que ce soit bon. Donc il faudrait que je te donne 4 dessins. 4 sigles, tout à fait, ouais. Alors là, je suis sur celui en forme de rond et pas celui en forme de l'autre premier. Bah, pour l'instant, j'ai un souci. Est-ce que tu veux que je te décrive les symboles, peut-être? Alors, moi, j'ai juste un truc. J'ai 2 symboles qui se sont allumés. J'ai pas regardé, j'en vois pas d'autres. Ouais, mais peut-être que t'as besoin. Donc, c'est quoi tes symboles? Le rond en premier, c'est ça? Je crois que le truc. Le rond ou le losange, tu me dis. Alors, le rond. C'est quoi tes symboles? Le rond. On est parti? Ouais, go. Alors, ça fait un U au milieu. Ouais. Tu descends avec une sucette avec une croix. Ouais, ok. En dessous le U, t'as 2 petites barres. Ouais, je vois. Une grande, okay. Une petite. Et en travers, tu as deux bonhommes qui font youpi. je pense que c'est un trait avec des U sur le... au bout. Un trait avec des U au bout. Et ça, c'est peut-être au milieu. Que toi, le dessin que tu vois, c'est le dessin final. Et moi, je dois... Oui, non, mais final, je t'expliquais mon dessin final. Ok. Alors. Coucou, Irayas. Oui. J'ai un rond. Ça, moi, pour le moment, le dessin que j'ai, c'est un rond avec une croix au milieu. Ça, il est ça, tout en bas. Ça, c'est le bas de mon dessin, tout à fait. Là, pour assembler le premier, j'ai le choix entre un espèce de trident, donc c'est-à-dire une barre toute droite qui va vers le haut, et un U pour former les deux autres branches du trident. Ça me va. Attends, parce que sinon, j'ai aussi un autre truc avec un U. C'est une barre toute droite qui... En fait, ça fait un espèce de vert parce que la barre dépasse pas du U. Genre, en gros, il y a une barre qui monte vers le U classique, et en dessous, il y a genre une petite barre horizontale. Prends celui-là. C'est celui-là? Ouais, U avec 2 petites barres en dessous. Ouais, prends-moi ça. Ouais. Ok. Alors ensuite, j'ai le choix entre une croix. Une croix.
une croix avec une petite barre en dessous, mais je crois pas que ce soit ça. Non. Sinon, j'ai un espèce de... C'est peut-être ça les petits bonhommes qui font youpi. Une espèce de barre horizontale avec deux U sur les côtés. Oui, c'est ça. C'est ça ? Ok. Et dernière chose, alors j'ai une deuxième barre horizontale avec deux U, mais je pense pas que ce soit ça. Sinon, j'ai un espèce de chandelier avec les petites boules qui donnent au-dessus du U. Non. Un truc. Non, pas de boule, il y a juste c'est le même U mais des deux côtés. Donc les petits bonhommes avec les bras en l'air quoi, les bras ils sont plus grands que la tête. Les bras ils sont plus grands que la tête. Attends, bah alors ça doit être ça. C'est ça ouais. OK, c'est ça. Donc c'est donc, bon, on a fait le symbole. C'est validé ? Écoute, ça a l'air d'être validé. Je saute, merde. J'y vais, je cours, je vole. Ça a l'air d'être validé pour le rond, je peux passer au... Oui. Au losange, visiblement. Alors, le losange... Attends, c'est mieux que ce soit moi qui commande, je pense. Oui, mais alors le comme losange, je t'explique, mon dessin final, ça ressemble à un scorpion. Ouais, ok. Donc t'as les deux pinces en haut, et la petite queue en bas. Et un corps alors vieux. Moi, pour le moment, j'ai juste une espèce de vague... comment dire, une espèce de vague genre un tout petit trait vers le bas, ouais. Un trait au centre horizontal et un tout petit trait vers le haut. Enfin, dans l'idée, c'est l'inverse. Mmh. Alors moi, si je reprends, ça devrait commencer par le bas. Oui, ça tout me à fait. Ça me fait une virgule avec une flèche au bout qui va vers la droite. Droite, ok, c'est validé. Ensuite, j'imagine que si c'est un scorpion, il y a un U avec, deux, avec boules. Deux triangles. Deux boules ou deux triangles? Deux boules. Deux boules, ok, c'est bon. Et le dernier, c'est une petite tête, c'est ça? Alors j'ai une tête, mais avec une petite vague en plus bas. En... À moins ouais, que ouais, sur... ça, c'est la petite vague du début. Alors est-ce que dans la tête, le rond est vide? Ça a l'air d'être un rond vu. Il y a un rond dans un rond. Ah, il y a un rond dans un rond, dans la tête, on est d'accord. Ouais, et le rond okay. Du milieu est tout vide. Hein. Enfin, les deux ronds sont vides. Il y a pas de couleur pleine. Oui, oui, oui. Ah, quoi? Attends, je l'ai pas. Les deux ronds du milieu sont vides. Il y a pas de couleur pleine. C'est pas tout jaune. Ah oui, non, mais oui, oui, d'accord. Non, oui, oui, non. Mmh. Puis un autre intérieur, mais les... Ok, bah écoute, les deux dessins ont l'air bons. Je sais pas si ça a débloqué quelque chose. Est-ce que la porte est ouverte? Bon, ça c'est fait. On n'a pas eu de petit succès, on a peut-être fait. Non, il y a une couille dans le pâté là. Alors, moi je sais. Le truc est sur un drap bleu. Et l'autre est sur un drap rouge, ça ne change rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié? Est-ce que faut que je clique là-dessus? Est-ce que. La porte est verrouillée. Ça y est, on commence déjà à être coincé. Non, mais attends, on va trouver. Je vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Mes autres portes. Ça se trouve, on a fait une petite erreur sur le. Ah, sur le symbole. J'ai une autre porte ouverte. Ah, d'accord. Moi, j'ai une autre porte qui a été ouverte. Donc, t'as une porte qui s'est ouverte. Là, à l'instant, on est d'accord? Oui. Ok. J'active un levier. Ça devrait ouvrir la porte. Je sais pas ce que ça me fait. T'as rien fait. Attends, chez moi, non, ça a rien fait. Alors, after the light the candle, the magic symbol, gnagnagna. To escape. On n'a pas fait d'erreur sur le dessin quand même. Ça brille. Attends, c'est écrit tout en anglais en plus. Ah là là. Pourtant on a mis FR. Ouais, mais les écritures sont en anglais. Ouais. Quelle bande de fainéants ces développeurs. Je peux pas. To escape. But... Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur dans les dessins peut-être? Je sais pas. Mais quoique si t'as une porte qui est ouverte, ça doit être. Quoi? Mais le monsieur il se moque de moi, il me dit que c'était pas un scorpion.
Ouais, ça ressemble vite fait à un scorpion, mais bon. J'ai pris ça quand même de manière... J'ai validé le scorpion, on va dire. Celui-là est pas ouvert. J'ai activé la manette. Et après, alors, est-ce qu'il y a un truc du coup qui s'est ouvert là ? Moi, la porte est toujours verrouillée. Hein. T'as pas un truc au centre ? J'ai un truc au centre, mais je peux pas interagir avec. Alors devant après, il y a les bougies peut-être. Devant, bah les bougies, on les a faites. Non, les bougies, je peux plus interagir avec en fait. Au centre, non, j'ai que dalle. Je suis comme un débile. Alors, de mon live. Excusez-moi, mais est-ce que par tricherie, vous pouvez nous dire si non. Je ne suis pas planté ? Non. J'ai pas dit qu'il. On ne triche pas. Trop tôt pour tricher. Je refuse de tricher. J'ai pas dit d'aller regarder la solution non plus. Bon, est-ce que là, ça fait quelque chose ici ? Merde, le con. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai cliqué sur un mauvais endroit, mais c'est pas grave. C'est Rebuenos. C'est Rebuenos Diaz. Ils ont rien suivi. Alors. Si on reprend le scorpion, comment tu le vois de bas en haut ? Ben. C'est pas compliqué en fait, genre. Le scorpion. Donc le scorpion, moi j'ai la petite barre. Oh ça. Ça s'allume, attends. What? Ça brille. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Alors en gros, déjà j'ai la petite barre horizontale là, légèrement défaite. À peu près au milieu du scorpion. Moi ça commence par là. Ça fait une vague vers le haut à gauche et une vague vers le bas. Ouais, et vers le bas à droite. Tout à fait. Ok. Alors ensuite, j'ai rajouté la petite queue. Oui. Avec un triangle au bout. Oui. Le triangle est vide. Le triangle est vide, tout à fait, ouais. Ok. Et ensuite, j'ai rajouté le U avec les deux boules vers le haut. Mmh. Les boules sont vides. Est-ce que je tire ça au live? Les boules sont vides, oui, monsieur. Oui, les boules sont vides, pardon. Les boules sont vides. Et du coup, dernière chose, on a un rond. On a une petite tête avec un rond et un rond, un cercle. Ça ? Ouais. Mais un cercle qui n'est pas fini. Ah, enfin, moi, qui n'est pas rempli, pardon. Qui n'est non, pas, j'ai rempli. Pas rempli. Hein. Bon, bah c'est sûr, on a le même alors. C'est sûr et certain. Bon, ça c'est bon. Et l'autre peut-être, ça et vient peut-être de l'autre. Bonjour, c'est Nocturne. C'est pas une Nocturne, live. Enfin. Ouais, bah en déjà, fait. Je dis bonjour à ton chat et pas toi, Laurent. Bah si, je l'ai fait, sauf que je me suis mute pour pas te déranger. Gna gna gna. Et ouais, qu'est-ce que tu fais ? Et l'autre, vas-y. Explique ton alors, deuxième. Alors, l'autre, moi ça commence par le rond avec une croix au centre de ce rond. Enfin, un rond barré en gros. Oui. Ensuite, j'ai un espèce de... c'est peut-être là où on s'est trompé. J'ai un espèce de verre avec une moitié d'étoile au milieu, un truc comme ça. C'est assez difficile à dire. Une moitié... Alors, moi, j'ai... Alors, en plus simple, moi, j'ai un U. Oui, un U avec une barre qui descend. Il y a une barre qui descend. Et ouais. La barre, elle est coupée par un petit trait et un grand trait au-dessus. Ouais, est-ce que le petit trait, il n'y en a pas aussi deux petits autres qui vont légèrement vers le haut ? Non. Non ? Ah bah c'est des traits plats. C'est là où on s'est trompé alors. Alors attends, si c'est là qu'on s'est trompé, ça doit être ça. Je tiens à dire que Monsieur Iraïas est en train de se bouffer ses meilleurs pop-corn en nous regardant. Genre ça, Et après, il y a un U vers le haut avec deux petites boules, c'est ça ? Non, il n'y a pas de boules. Il n'y a pas de boules. Non, c'est un U tout court. C'est bon ? Ok, j'ai compris. Ouais, il y a du feu, il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu ? Il y a le feu chez moi, mais c'est parti, il est reparti. Alors moi, j'ai des symboles. Porte est toujours verrouillée. Qui se sont allumés au milieu. Ok, alors moi, il y a du feu au milieu, donc j'imagine...
Et en fait, je peux appuyer sur des dalles. Mais il n'y a pas de symbole, je crois, sur mes dalles. J'ai pas l'impression qu'il y ait de symbole sur mes dalles, non. Alors, moi, j'ai des symboles qui se sont allumés et... Tu vois pas du tout de symbole. Non, j'ai pas l'impression. Tes dalles, elles sont positionnées en cercle, elles sont comment ? Oui, je suis vraiment là. En fait, je suis au centre du cercle, du pentagramme, au milieu, en gros. Ouais. Alors, j'espère que... Ah, alors, quand je clique dessus, il y a des symboles qui apparaissent. Ah, ouais. Alors, est-ce que tu peux... tu peux trouver un impact d'éclair ? Ouais, je l'avais. Non, attends, je l'avais. Genre, il y a un espèce de... Il y a un éclair, et puis au-dessus, il y a trois traits... Oui, bah, si tu le regardes à l'envers, c'est un éclair qui tombe sur le sol, et ça fait boum ! Attends, faut que je me regarde à l'envers. Oui, tout oui. À fait. Moi, je l'ai de l'autre côté, mais ok. Alors, c'est bon, il est allumé. Tu comptes... Alors, moi, c'est... Le truc est en face. Et sur en ta face. Alors sur te en face sur ta gauche tu vas en laisser deux, t'en passes deux, c'est le troisième, ça fait un œil barré. Attends, parce que là tu mais attends, en fait si j'ai... c'est légèrement visible, un œil barré, mais genre par le centre, c'est ça? Oui, ok, c'est fait. Ah, mais en gros faut que je fasse un pentagramme, je suis sûr. C'est pas un pentagramme, donc tu m'écoutes? Non, dis-moi la de forme, l'œil. Ouais, non, mais des traits qui partent dans tous les sens. Là tu vas faire un losange, en gros. Donc de l'œil tu pars vers celui qui est juste à droite, à gauche. Attends, merde, l'entrée elle est là, donc à gauche c'est ici. C'est deux flèches entrecroisées, c'est ça? Non, merde. En gros tu pars de l'impact, tu vas vers l'œil. Attends, je recommence tout. Bonjour, okay. Jaco. C'est quoi le symbole juste à gauche de l'impact? Je vais vers l'œil et ensuite... Tu vas juste à la gauche de l'œil. C'est une croix avec une petite barre au milieu. Ouais, je l'ai. C'est bon. Tu continues à la gauche. T'as un sablier couché. Enfin, un sablier. Ouais, ok. C'est pas un losange, ça, par contre. Tu pars... à côté de l'œil, du coup, à droite de l'œil. Mais t'as deux croix superposées. Ouais, deux. C'est... Non, à... Hein ? Non, moi j'ai deux triangles entrelacés là, à droite de l'œil. Deux triangles ? Ouais. Deux flèches entrelacées, pardon. Et ça fait genre un losange. Oui, ou ça fait deux croix côte à côte aussi. Ouais, deux croix côte à côte, ok. Après. Tu pars à côté de l'impact de... Tu vas en face de ça, tu vas à côté de l'impact de l'éclair. Ça fait un poisson sur la queue. La queue, elle est pas fermée, ouais, du poisson. Ouais, ok, la queue est pas fermée, ouais. Tu pars le symbole à la gauche de ça. Ça le fait une croix avec deux petites flèches. Ouais, ok. Et là, tu termines le dernier, normalement. Un sablier, mais pas fermé, voilà. Ouais, c'est bon. Bueno. Donc, normalement... Porte ouverte. Prendre passage à... Alors, temps. J'ai encore un bouquin. Celle-là, elle est fermée. Tu fais comme moi, tu le lis en travers, mais... moi, ouais. Si j'avais pas regardé celui-là, je savais que... Ils m'ont dit de me mettre au milieu pour aller voir le truc, tu vois, genre... Deux personnes s'aiment. Voilà le livre. Au revoir. Alors, le lore, on s'en fout un peu. Donc, j'ai un escalier en colimaçon. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir des preuves. Donc, je monte. Ah, je suis bloqué. Ok, t'es bloqué. Oui, alors en gros, il y a une série de lances qui bloquent l'escalier. On peut pas passer, quoi. Et à côté de cette série de lances, j'ai une espèce de croix avec quelques symboles. Comme si c'était une marelle, en gros. Sauf que au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, machin, t'as des symboles. Peut-être que là, c'est à moi de te donner mes symboles pour que tu réussisses une énigme, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai aucune porte qui s'est ouverte. Là, je ne vois pas. Ah, j'avais pas vu, mais il y a du... Ça, c'est ouvert. Ouais, tu m'as ouvert une pièce. Ah, je me suis fait enfermer, Manon.
suis dans la... Ah mais attends mes angels, faut qu'on se dépêche. En fait l'escalier disparaît petit à petit et il y a du magma qui apparaît à la place. Ah t'as du magma. Putain, ça va méga vite en plus. Oh putain, alors moi j'ai des blocs. Oui. Ok, j'ai des blocs avec des grilles. Ouah, ça va tellement vite. Ouais, bah okay. J'ai des blocs avec des grilles et des symboles. Oui, t'as quoi sur les blocs? Moi j'ai des symboles aussi. J'ai un 4, j'ai plein de trucs, j'ai des triangles, j'ai des... Oui, moi, alors moi j'ai des triangles. Alors, en gros, j'ai une croix. Boussole aussi. C'est alors, si oui. Elle indique alors, en le gros, nord. J'ai une croix. J'ai une croix. Genre croix chrétienne de base, tu vois. Alors, tout en haut de la croix, j'ai un triangle qui va vers la gauche. Alors. Sangel, tu me laisses pas tomber, hein. Bah, je putain, sais. Ça va méga vite. On... Enfin, je dois toi, chercher non. Un triangle. Tu perds, je dois chercher déjà le bloc où tu m'as. Tu vas me tuer, je vais encore crever. Oh, mais ça va méga vite. Oui, bah moi j'ai un souci aussi. Et à chaque fois il y a toujours. Ouais, mais moi je vais mourir. Toi t'as un souci, mais moi je vais mourir. Eh, hey, tu m'excuses. Moi pour l'instant j'ai que des blocs où. Si tu veux, j'ai la boussole. Putain, je t'ai dit que j'avais une boussole! Oui, bon. Alors, la boussole, elle est à gauche de la croix. En gros, sur le côté gauche de la croix. Je vais mourir, Angèle. Je pense que je vais mourir. Côté gauche de la croix. Oh, mais j'ai pas de croix, moi. Tu m'énerves. Là, c'est... J'ai vraiment pas de croix. Moi, en gros, au nord de la boussole, là, j'ai un triangle sur ce truc-là. Si tu veux. Je t'explique comment je le vois. Là, j'ai un autre bloc où, au nord de la boussole, j'ai un hexagone. Bon, de toute façon, je vais mourir. Mais en gros, tes blocs, ils doivent être disposés en forme de croix ou un truc comme ça. Je suis mort. Au secours. Oh, je suis pas mort. T'es pas mort, mais t'es pas encore vivant. Ah oui, mais en fait, je suis sur le bord. Ah, j'ai cheat. Bon, en fait, ouais, moi là, je peux pas faire autrement que de te dire ça. Mais alors, en gros, j'ai une croix en face de moi. Oui. Et chaque. La croix est divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Ouais. Tout en haut de la croix, j'ai un triangle qui va vers la gauche. En à gauche de la croix, j'ai une boussole. À droite de la croix, j'ai comment ça s'appelle ? Une figure à cinq côtés, un pentaèdre, oui. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Oui. Pareil, ensuite au milieu de la croix, j'ai un triangle qui va vers la gauche, c'est alors, pareil. On va prendre, là essaye de me trouver, boussole, donc au-dessus c'est le nord, dis-moi quel symbole. Attends, parce que là, je suis un peu dans la merde. En fait, la boussole, je sais pas si elles indiquent des directions, tes boussoles. Le moi, nord. Ma boussole, elle indique vers l'est, ma boussole. Vers l'ouest, pardon, vers l'ouest, ma boussole. À gauche, vers la gauche. Vers la gauche. Ouais, un pentagone, merci, Snake. Donc, si elle indique vers la gauche, faut que tu essayes de me tourner le truc pour que tu me donnes... Je peux pas interagir avec la croix. Ah. Alors, vers la gauche. Donc, vers la gauche, je dois avoir quoi? Vers la gauche, tu as une boussole qui mène vers l'est. La boussole, à l'est. À l'est, t'as pas... T'as quoi comme symbole? À l'ouest, à l'ouest. À l'est, j'ai un pentagone. Ok. Alors, attends. À l'ouest, j'ai une boussole attends. Qui va vers... Hop, un pentagone. On va essayer de trouver le pentagone. C'est incroyable que je sois encore en vie, ouais. C'est incroyable que j'arrive à... J'essaie de côté et de comprendre. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, là, et à l'opposé du pentagone, t'as un triangle. Juste à côté, juste à gauche, j'ai un triangle. Pentagone, triangle.
Ça, c'est une phase de mon truc. T'as quoi d'autre dessus? Tout en haut, j'ai un triangle qui va vers la gauche. J'ai une boussole à gauche, j'ai une boussole qui va vers l'ouest. À droite, du coup, j'ai un pentagone. Au milieu, un autre triangle qui va vers l'ouest. Au milieu, un peu en bas, un autre pentagone. Et tout en bas, un carré. En gros, là, ton cube, il est étalé. Mon cube? Oui. Ta croix, là, ouais. Si tu replies les bords, ça fait un cube. Oui, bah oui, tout à fait. Oui, c'est et moi, il faut que j'essaye de trouver le cube d'après ce que tu me baragouines. Ah, bah alors attends. Tu veux que je te fasse le cube? Je veux que tu me fasses le cube, oui. Ok. Et moi, du coup, bah. Je vais te faire le cube. Et le cube, je pars de la boussole pour tourner mon cube. Ok, donc, si tu pars de la boussole. Putain, c'est chaud. Alors, la boussole est en bas, du coup, c'est ça? Bah, la boussole, elle est, pour moi, elle est au milieu. C'est mon centre, ma boussole. Donc, si la boussole est au milieu, à droite, tu dois avoir un triangle qui va vers la gauche. À droite, j'ai un triangle qui va vers la gauche, oui. Ok. Ensuite, je reviens à la boussole ou je continue de tourner? Tu veux revenir à la boussole? C'est plus simple. Je te pose la question pour savoir, pour essayer de te suivre. Attends, parce que là, du coup, moi, ça devient compliqué. Est-ce que t'as une salle encore à droite? Bah oui, c'est un carré. Alors, est-ce que t'as un pentagone sur la salle encore à droite? Ok. Et si tu tournes encore une fois, tu dois avoir l'autre symbole. Et on aura fait le tour. Alors, attends, tac, tac. Oui, et du coup, l'autre symbole, c'est... Attends, que je me représente le truc. Tac, tac, tac. Et l'autre symbole ensuite c'est un carré, si je me trompe pas. Eh ben c'est raté. Attends, je suis peut-être pas doué. Tac. Attends, mais si ça c'est là. Alors, et si t'arrives à deviner, donc au-dessus. Non, mais c'est pas possible en fait. Au-dessus ta boussole c'est quoi? Un carré? Non mais en fait c'est pas possible que la boussole ce soit le bas. La boussole, il faut que tu penses qu'elle regarde vers le nord. Pour que je puisse me mettre... Il faut que tu aies une flèche plus grosse sur ta boussole pour t'indiquer le nord. Ok, oui, et je donc, vois. Alors, le en nord, fait, tu descends... ça va m'aider à trouver la suite de ton truc. Ok, je l'ai. Alors, quand tu es de la boussole, tu vas dans la pièce vers l'arrière, si tu en as une. Oui, donc le... Normalement, là, il y a un triangle. Oui. Ensuite. Au-dessus de la boussole, t'as quoi? J'ai rien au-dessus de la boussole. Faut que tu t'imagines ton carré. Bon, ah vas-y. Mais c'est le triangle. Pas possible de faire un carré. En fait, c'est pas possible de faire un carré. Attends, est-ce que c'est possible? Si c'est possible de. Je l'ai vu. Attends. Mais en fait. Au-dessus de ma boussole, c'est un pentagone. Au-dessus de ma boussole, c'est un pentagone. C'est un carré, un triangle en bas. Ouais. Donc, tu viens de me dire que au-dessus, c'était un. En dessous, c'est un triangle. Et au-dessus, un pentagone. Ouais. Je vais changer de cube. En dessous un triangle, au-dessus un pentagone, et ça... Ça y est, on a les yeux. Non, ça c'est un carré. Ah, je suis désolée, mais... T'inquiète. Ça, c'est deux triangles. Tranquille sur... Alors, j'ai un triangle en bas, un pentagone en haut. À droite et à gauche. Mais triangle est pas en bas, un triangle est genre. Enfin, il est à droite, quoi. Donc, bref. Triangle, pentagone en haut, et ensuite j'ai carré sur la gauche. Oui. Normalement. C'est bon? Oui, et à droite. Ouais. Et à droite, du coup, c'est triangle. Je vais essayer celui-là. Je teste parce que là,
On va tester ça, si c'est bon, miracle. Pas celui-là. Ça change pas tes dessins. Non. Bon, en gros, j'ai la boussole. Comment je pourrais t'expliquer ? Si c'est un cube, alors, boussole est en bas. En haut, on a un pentagone, donc sur le dessus de la boussole. Au nord, tu as un pentagone. Non, pas au nord. Comment t'expliquer ? Pas au nord, au dessus. Genre, si tu fais un cube, au dessus, tu vois, genre... un cube, c'est en 3D, on est d'accord. Oui, mais en fait, je suis d'accord qu'un cube, c'est en 3D. Mais est-ce que tu comprends que mon cube, je peux le tourner dans tous les sens ? Si tu trouves pas ce foutu nord sur ta boussole, j'ai aucun... Le nord, je l'ai. Ok, alors, au nord de ma boussole, c'est un carré, normalement. Ok. Parce que moi, si tu me donnes pas un point de repère, mon cube, je peux le tourner dans tous les sens. Ouais, d'accord. Mais le truc, c'est que... Ouais, enfin, c'est difficile à imaginer pour moi, mais... donc ouais, au nord de ta boussole, tu devrais avoir un carré. J'ai au nord un carré. Ouais. Maintenant, il me faudrait le sud, l'est et l'ouest. Alors, sud, tu as un triangle. Oui. L'est et l'ouest, c'est ça ? Oui, bah à gauche ou à droite, parce que si tu préfères. Alors, attends. À l'ouest, tu as un pentagone. Pentagone, ouais. À gauche, du coup, tu as un pentagone. Et à droite, tu as un autre triangle. Ouais. Alors, celui-là, il correspondrait bien. Et donc, ta dernière figure, ça serait un pentagone. Tout à fait. Celui-là me plaît. Ça marche pas ? Non. Peut-être que c'est parce qu'on a déjà dépassé le temps. Bon, de toute façon, je suis mort. C'est compliqué, là. Ouais. Ready for retry for from checkpoint. Pas grave, Snake. C'est juste, je l'ai vu, mais c'est pas ta faute. T'inquiète pas. Bon. Alors, reprenons. Mort 1. Ouais. Ok, alors si je prends pas l'escalier, je pense que ça ne set pas le timer. Mais maintenant qu'on a compris, en vrai, je peux y aller direct. On va faire ça rapidos. Alors. Attends, ma porte, elle est pas ouverte, moi. Merde, sérieux ? Ah, ça y est, c'est ouverte. Ok. Non ? Ah oui, en fait, faut que je... Putain, mais ça descend super vite, c'est un truc de fou. Ah mais non, je pense qu'au début, il enlève beaucoup d'un coup, et puis ensuite, ça... Attends, ça m'a descend. Ouvert une autre porte ? Je vais remourir. Je sens que je vais remourir. Bah écoute, moi si tu me dis où est ma porte, je veux bien aller plus vite. Hein. Bah est-ce que t'as à nouveau les petits cubes ou pas ? Non mais j'ai pas la porte ouverte de Steve. Ou quoi. Oui mais l'autre porte qui est ouverte, t'as quoi à l'intérieur ? Ah ça y est, j'ai une autre porte qui est revenue. Et j'ai une grande salle, fallait que je trouve la bonne porte. Et oui, d'accord. J'ai les petits cubes, c'est reparti. Alors, on a du coup, pareil, la boussole. Oui. Donc, nous avons au nord. Au nord, c'est un pentagone. Au nord, c'est un pentagone. Échappe. Pentagone, au nord, c'est bon, j'en ai un. Au sud, c'est un triangle qui va vers le bas, du coup. Oui, c'est un triangle. Plutôt plan... Ouais, mais non, parce que... ouais. Triangle. Ensuite, à droite, c'est un autre pentagone. Moi, j'ai un triangle. Donc, c'est pas celui-là. Pentagone. Triangle. Pentagone, c'est ça que tu m'as dit, hein ? Ouais, pentagone à droite. Et à gauche. Et à gauche, un carré. Ouais. Est-ce que t'as le dernier. Est-ce que t'as un autre symbole ou pas du tout ? Non, le dernier c'est un triangle.
Tu l'as ? Ouais, ouais, mais... Ah, ça y est, c'est ouvert. T'as vu, une fois que c'est compris, ça va tout seul. Ouais. Ok. J'ai encore un bruit. Alors, deuxième cube. Ah, t'as une autre porte encore ? Ouais, j'ai une autre grille avec des lances. Ok, je cherche ma porte. Commence à trouver ton or. Attends, mais c'est encore un truc avec des cubes. T'es peut-être toujours là où t'es. Hein. Non, mais bah, non, il faut que je change de porte, moi. Ok. Vas-y. Putain, alors, donc. Attends que je me refasse le dessin du cube. On a ça qui est là. Tac. Donc ça, ça va là. Tac. Ok, alors au nord, c'est un carré. Au nord, c'est un carré. Y'a pas un truc que t'as oublié de faire là ? Non. Non, y'a rien. J'ai pas les cubes. Ouh, j'ai failli sauter dans la lave. Ok. J'ai pas les cubes. Mais retourne dans la salle des cubes, non ? Mais en fait, la salle des cubes, elle est fermée. Faut. Ah. Donc là, j'ai une autre porte qui s'était ouverte, mais j'ai pas de cubes dedans. Mais est-ce que fallait pas rester dans la salle ? Non. Ok. C'est ça le problème, c'est que. Une autre porte, j'ai pas de cube. Cube ou symbole, hein, ça se trouve. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé une autre salle avec des cubes. Ah, chouette. Vas-y. Donc, non. Je me dépêche parce que sinon je vais. Là, ça commence à, ça commence à être chaud. Donc, au nord, c'est un carré. Oui. Au sud, c'est un triangle. Oui. Alors, attends. À gauche, donc à l'ouest, c'est un pentagone. Oui. À droite, c'est un autre triangle. Oui. Et, dans et le dernier, c'est un pentagone au-dessus. Ok. Et bah, tu vas être content. Si tu t'es pas planté, c'est le premier. Et bah, c'est raté. Hein. Merde. Ah, bah, je suis mort. Oh, je suis pas mort. Ah, si. C'était mort. C'est bizarre. Bah c'est pas grave, on a compris le principe, on ouais, est non, arrivé. Bien sûr. Bien sûr. Putain, c'est chaud, c'est short niveau timing. Hein. Parce que là, je peux te dire, les escaliers, ils montent très très vite. Bon, il faut que tu fasses ton truc parce que sinon, tu m'ouvres pas la porte. Ouais, bah je speedrun. Normalement, ça devrait ouvrir là. Ah, j'ai cru que mon live avait cut, mais c'est juste qu'il y avait un fondu en noir. Bon, là, ça va être tout simple. Ça va être tout simple, la boussole, elle est au milieu pour moi, non. Tout simple. Pas encore ouvert ? Non, j'ai pas eu de clic. Je sais pas comment ça se fait, parce que, en fait, je fais rien, tu vois, c'est juste ça s'ouvre au bout d'un moment pour toi, j'ai l'impression. Peut-être qu'il faut que j'attende que ça s'ouvre, comme ça on perd moins de temps, et je meurs moins rapidement. Bonjour Flonflon, et bienvenue à toi. Bonjour. Ah, je pense qu'il faut que il faut attendre que l'escalier commence à rentrer sur lui-même. Okay. Je pense que c'est ça. Flonflon, si tu le désires, pour écouter le pour regarder le monsieur qui joue avec moi, pour avoir les deux points de vue, tu as le point d'exclamation multi. Pour comprendre à quel point je suis nul. Bah alors. Ou le regarder mourir. Ah oui, parce que pour le moment, c'est moi qui prends les risques. T'es sûr que c'est pas toi qui a un truc à activer? Parce que moi, j'ai rien de cliquable. Promets, non, j'ai rien, moi. J'ai rien de cliquable, là. J'essaie de regarder s'il y a une autre porte d'ouverte, mais non, j'ai pas d'autre porte d'ouverte. Tu dois pas passer par une porte ou un truc comme ça? Je dois passer une porte. J'en ai deux... 6, 8. Que je pense que c'est quand tu passes une certaine porte que moi l'animation elle se commence. 8. Ouais, j'en ai 4 x 4. 16. C'est 16 portes à checker. Et tout à l'heure j'en ai checké une et j'avais même pas le truc. Nord. De quoi nord? Bah y'a quoi au nord? Ah, t'es dans la salle? Oui. Ah, ok, alors nord j'ai un triangle. Oui. Sud, j'ai un pentagone. Oui.
Gauche, j'ai un carré, pardon. Oui. Droite, j'ai un triangle. Oui. Et derrière, j'ai nord... un pentagone. Oui, tout à fait. Alors, ça ressemble à être le bon. J'espère que ça l'est. Ouais, c'est bon. Merci. Donc là, okay. J'ai la salle s'est éteinte. Je suis obligé de sortir. Ok, d'accord. Donc, salle suivante. D'accord, ça accélère de ouf. Alors, la suivante. Bah, moi, je cherche ma salle. Donc, vas-y, peux... vas-y, je t'attends. Je t'attends dans le stress le plus total, mais je t'attends. Là. Alors. Nord. Nord, nous avons un carré. Échappe. Ah! Carré. Sud. Oui. Sud, nous avons un triangle. Oui. Ouest, donc gauche, pentagone. Oui. Droite, donc est, triangle. Oui. Et sur le dessus, un pentagone. C'est pas la bonne. Putain, c'est quoi ce bordel? Attends, je suis pas folle. Carré, triangle au sud. Ouais. Carré au nord, triangle au sud. Attends, triangle à. Triangle l'est, à droite. Ouais. Pentagone à gauche. Pentagone à gauche et pentagone au-dessus. Doit y avoir un autre système parce que. Ça doit être un autre système pour celui-là parce que. En fait, le truc, c'est que. Bah. Tente. Ah, ça a ouvert. Tu me l'as donné à l'envers. Oh là, le jeu, putain, le jeu il a des frises parfois. Ok, il y en a un dernier. La porte, ouais. La porte. Room. Le jeu a des frises. C'est désagréable. Là j'ai une porte. Hop. Alors, nord. Alors, au nord, nous avons. Attends, que je replie le truc. Putain, comment ça marche? Donc, ça ce serait là. Donc au nord, c'est un carré. Au nord, un carré. Ça, c'est un carré, oui. Sud. Triangle. Oui. Ouest. Donc gauche, pentagone. Gauche, pentagone. Droite. Droite, triangle. Et dernier, pentagone. Pentagone, tout à fait. Toi, t'as l'air bon. Yes. Suivant. C'est tout ? Gigi ! Ouais, la salle était complètement buggée. Le jeu a des petits bugs, hein. C'est pas. Des petits freeze, des petits bugs, c'est pas hyper agréable toujours. Ça a été dur à. Faire comprendre à Dosti ce que je voulais. Ouais, ça a été dur, mais on l'a fait. Mais au moins, t'as réussi à comprendre que. Enfin, j'avais compris au départ que c'était un carré aplani, mais j'avais du mal à. Te dire comment faire. Non, mais de toute façon, c'est un jeu d'énigmes, hein. C'est normal qu'on galère un petit peu quand même. Alors, j'ai appuyé sur un levier en arrivant direct. Moi, j'ai une porte qui s'est ouverte. J'ai peut-être fait une connerie, mais pour le moment, c'est pas mort. J'ai une porte qui s'est ouverte. Ah, donc ça t'a ouvert une porte, c'est pas si mal. Oh. Il y a des mains ensanglantées sur le cercueil. C'est vrai ? Mmh. Ah, mais moi aussi, j'avais ça au début en vrai. Oh, j'ai une hallebarde. Je viens de faire un levier. Ok, attends, parce que là, moi, j'ai... Oh là là, j'ai une armurerie à mes... Oh là là, trop bien, j'ai plein d'armes. Et je continue d'avancer dans mon couloir qui me fait pas très plaisir. Hein. Vas-y. Moi, c'est fermé, de toute façon. Ah, toi, je vais devoir te donner tes armes, c'est ça? Ok, je pense... J'ai des chevaliers en armure. Qui n'ont pas d'armes, et à côté de ça, j'ai une armurerie, donc je pense qu'il va falloir que je leur redonne leurs armes. Et en fait, chaque chevalier a un blason. Oh putain! Tu l'as entendu ou il n'y a que chez moi? Il y a le monsieur. Ah! Pardon! C'est chez toi?
Oui, il y a une, il y a la truc qui avance. Alors, j'ai Ok. un chevalier avec un rat, un blason de rat avec une épée. Ouais, je l'ai. C'est Il un a une rat un peu il a bizarre. une épée dans la main. Il a juste une épée dans la main? Ouais, il Ok, a je une vais te épée chercher dans ça. la main et Putain, ça. le rire, il m'a fait flipper sa mère. Et ça c'est une. Oh Elle est où putain, ça l'épée? va. Ouais. Ah Elle est où putain. l'épée? En plus c'est deux. Il y a des épées différentes. Ah oui, moi j'ai deux épées là. Est-ce que c'est plus une lame incurvée ou... Alors, la lame incurvée c'est pour le pigeon. Donc Et la attends, lame droite incurvée. c'est pour le rat. La droite, genre la droite avec un truc en dessous quand même. Oui, si je Ok. me rappelle bien, oui. C'est pour le rat. Ok, je donne au Et rat. l'autre c'est pour le pigeon. Merde, je l'ai fait tomber. C'est bon, je récupère. Pigeon man, non, toi t'es Raman, tiens. Je te donne ton épée, Raman. Pigeon Man, c'est toi, Le Pigeon Man? pigeon comme une colombe, tu vois, la Pigeon Man. position. Pas les ailes écartées. Il est où, Pigeon Man? Ouais. Mais ouais, ok. C'est un aigle plutôt. Un Non, aigle avec deux un petites croix. pigeon. Et l'aigle qui a les ailes écartées, il a un bouclier. Ok, attends, le pigeon, c'est ça? Mais c'est pas un pigeon, ça. Genre, il est sur une patte, le pigeon, c'est ça? Et il a une couronne. Non, je me rappelle plus. J'ai fait vite à le voir et je peux plus le revoir. Merde. Bon, toute façon, il n'y en a que 4. Moi, il me Oui, reste oui. un blaireau. Et Alors, attends, tu m'as dit? le blaireau, il a la hache. La hache, ok. Est-ce qu'il a autre chose ou pas? Non. Ils ont tous qu'une seule arme? Oui. Ok. Et en face, l'aigle, qui Ouais. ressemble vraiment à un aigle pour moi, il a un bouclier. Et donne-lui. Par Il a contre, t'as. lequel? T'as, à Il mon a un. avis, moins de 30 secondes pour que, avant que je me fasse écraser. D'accord. Le bouclier, il est. Rond en Mais merde, bois. mais donne-lui. Il est Rond en rond ou pas? bois. Rond en bois, ok. Avec des petites dents Et. sur les côtés. Et je peux pas t'expliquer plus. J'ai un mur devant ma gueule. Des petites dents sur les côtés, j'ai pas de petites dents sur les côtés. Un Bon, je vais prendre espèce de celui-là. rouage. Je suis morte. Non, 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 non. Et c'est quoi le dernier? C'est quoi le dernier? C'était un c'était une hache. Non, ça c'est déjà fait. Ah merde, il m'en manquait plus qu'un. Bon, c'est pas grave. En vrai, ça va être facile. Maintenant qu'on l'a, c'est facile. M'a tué, il s'est vengé. Aïe 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 aïe. Nul pogs, j'aimerais bien t'y voir, toi. Il a paniqué, le monsieur. C'était pas un pigeon. C'est quoi? C'est tout ce que je peux dire. Ça ne ressemblait pas à un pigeon. Bah alors, je t'attends? Ah non, c'était moi que t'attendais, pardon. J'ai cru que j'avais cliqué. Je vous tourne par ma gorgée de café, moi, y'a pas de Bon soucis. bah Hein. parfait. Parfait, parfait alors. Bon, par contre, je préviens, moi j'ai. Allez, même pas 10 secondes pour regarder le blaze, l'arme, et après je vois plus rien. Et des deux Tu me le côtés dis, de je la salle. retiendrai. Tu me le dis, je le retiendrai. Moi, c'est pareil, c'est assez loin de l'un de l'autre, mais bon. Non, Est-ce qu'il y a ça veut d'autres. dire Ah, que. mais attends, mais il y a d'autres armes à droite aussi. Putain, la connerie. Putain, le jeu lag un peu, c'est chiant. Ok, ah ouais, non, mais j'ai 3000 armes en fait. Putain, c'est hyper dur. Faut que tu me décrives ça parfaitement. Oh, il y en Putain, a j'essaie tellement de des armes, tricher. putain. Ok, bon. Ouais, je peux pas Bah écoute. tricher, je vois pas. Dis-moi. Y a deux épées. Je suis pas encore rentré dans la salle. Je vais Ok, commencer par deux épées. ok. Ok, alors Par des contre, je épées, vois j'en ai pas. 4000 même. Ouais. Je peux pas les rapprocher en plus, ça aurait été un peu ça aurait été un peu stylé. Tu Ouais, on sais est quelle boîte parti. elles ont? Ouais, Non, je je suis peux pas prêt. plus. Alors, on est parti. Putain, ça La fait flipper. première épée, c'est un gros glaive assez large, assez grand. Et c'est Ok. pour un cerf avec des flèches dans le corps. D'accord, mais j'ai besoin de plus de détails. Est-ce qu'il y a. Il y a des. Elle est abîmée ou pas l'épée, par exemple? Non, elle est pas abîmée. Et il y a un bouclier avec une tête de château et un. Et là, un bouclier et une épée.
Oui, mais j'en ai 5 des épées. Oui, mais une grosse épée, tu vois, les gros glaives de gladiateur. Ouais, je vois, genre, gros glaive, mais est-ce que, genre, il y a une forme particulière, non? Il y a un main. Puis elle re-rapte, c'est ça? Genre, un gros glaive tout droit. Et là, on va mourir parce que je peux pas regarder le deuxième. Ça va être compliqué, ça. Voilà. Un gros glaive tout droit. Ouais, et en plus, il y avait un bouclier en plus de cette épée-là. Pourquoi tu pourrais pas le regarder encore? Bah, parce que j'ai un mur qui m'avance dessus. Et que j'ai plus que la moitié de la salle et que je peux pas regarder plus. Et j'ai le cerf. Voilà, voilà. Ouais. On va recommencer. Putain, c'est tendu, hein. Mais le truc, c'est que. Attends, je vais te dire combien d'armes j'ai. J'ai une. Oh. Ah. Putain, mais j'ai tellement. Mais là... des épées. Et c'est là, horrible. J'ai une épée. Elle est grande. Ça fait une flèche au bout. Et en bas, j'ai 4 petites serres. 4 petits crochets. Et elle est large et grande. Elle est droite. Pas incurvé. Ça va être compliqué. Hein. Parce que si vous regardez sur mon chat, des épées, j'en ai. J'en ai beaucoup. Ah, ouais, je crois que c'est. Je l'ai. Je sais pas. Oh, mais des épées, j'en ai. J'en ai une dizaine. Mm-hmm. C'est horrible. Et de l'autre côté, j'ai une masse d'armes. Est-ce que ça ouais, te convient comme mot? Masse d'armes, ça c'est plus facile, ouais, parce que là j'en ai plus. Et elle ressemble à un gros hérisson. Oui. Là je suis mort. Il y a eu un. Ok. Bah suicide-toi comme ça on peut. Mais je peux pas, il faut que j'attende que le mur il arrive. C'est à qui la masse d'armes? C'était au blaireau, je crois. Ah bah putain. Comme de par hasard, je suis sur le blaireau et j'ai perdu la masse d'armes, non. Prends! Cadeau. Ah mais faut que tu me dises aussi dans quelle main il la porte. Oh putain, ça va être chiant ça. Ah bah je me suis suicidé, comme ça au moins on va reprendre. T'es suicidé? J'ai sauté dans la lave. Ah ouais, mais ça va être compliqué parce que moi je peux essayer de gruger et te dire de très loin à quoi ça ressemble et quelles bestioles je peux avoir. Il faut que je sois prêt pour les avoir. Je pense que les bestioles on va avoir les mêmes quoi qu'il arrive, mais il faut juste que tu me dises. Bah là j'avais pas les mêmes, hein. Parce que j'avais un cerf. Oui, mais je l'avais aussi le cerf. Ok. C'est juste qu'au début, en fait, je speedrun les armes pour voir. Et tout à l'heure, on avait j'avais un pigeon hein, à la place du cerf. Et le blaireau était pas à la même place, tu vois. Ok. Commence par les boucliers, peut-être, si t'arrives à les voir. Ou je sais pas comment je peux faire. Alors, j'essaie de gruger. Mais c'est pas très, très lumineux, hein. Ouais. Mais c'est hyper chaud, j'ai 4 boucliers, ils sont super loin l'un des autres. Je peux pas gruger. Alors là j'ai une. Putain, je peux même pas gruger. Putain, j'espère qu'il y aura pas trop d'épées. Alors j'ai une épée. Merde. Soit une épée de très très loin. Alors, okay. C'est une épée qui ressemble à un cimetière droit. Mais okay. En gros, c'est fin en bas et ça part en évasé plutôt vers le triangle, tu vois. Mais je la vois de très loin pour l'instant. Ok. Et fin c'est... en bas, ouais, ok, j'ai peut-être un. Mais truc. Tu vois, les cimetières sont incurvés, mais là, celle-là est toute droite. Ouais, ok, j'ai peut-être une idée. Et là, je vois un bouclier. Ok, dis-moi quel bouclier. C'est alors c'est en bas c'est la forme d'un bouclier tu vois et au-dessus c'est un espèce de créneau de château. Ok, genre le bas il est en forme de flèche on va dire et en ouais, haut c'est d'accord un et en haut c'est un espèce de créneau de château fort. Ouais, et ça il et a au milieu il y a une grosse boule. Alors au milieu je vois un truc mais je te dirai pas ce que ouais, c'est. Ouais ouais non mais c'est bon j'en ai que 4. Alors donc c'est ce bouclier là, il a l'air d'aller alors de très loin c'est peut-être le rat. Qui aura... Ok je le mets sur un chevalier au pire je le récupère après. Qui aura le rat il est là. Tu vois dans quelle main ou pas? Alors ça serait la droite. La main, donc sa main droite ou la main droite quand face? Non sa main droite à lui. Ok
Ok. Non, mais c'est juste pour être sûr. Ok. Bon, il y a déjà un bouclier qui a été fait en trichant, donc c'est pas mal. Et après, il aura une épée. Par contre, je vois pas, elle est cachée par le bouclier. Et donc, là, l'autre, je sais pas trop quelle bestiole c'est, parce que c'est très loin et j'arrive pas. Je pense que c'est... C'est pas le rat qui a une épée, c'était un autre, c'est ça? En fait, les deux prochains, ils ont des épées. Sauf que okay. Je vois pas l'animal. Ok. Bon, là, le cimetière, c'est sûrement celui-là, mais je vais... J'avance. Je vais... Ok, vas-y, let's go. Alors, il a... Le monsieur avec le bouclier, il a des dents en bas sur l'épée. Sur l'épée? Ok, je vois la question. À droite et à gauche. Elle était de l'autre côté, ouais. Et c'est sur le rat, du coup. Ouais, ok, je vais la chercher, je vois laquelle c'est. Et le blaireau, le cimetière, il a dents aussi en bas. Des dents aussi en bas? Ok. Ouais. Ah, mais jette là, je m'en fous. Et là. Et c'est tout ce que je peux te dire, j'avance parce que je peux plus. Ok. Donc t'as... On est d'accord, genre il y a trois crocs sur l'épée du rat, un truc comme ça. Oui. Le rat, il a l'épée droite et le blaireau, il a l'autre. L'épée droite et le blaireau, il a où l'autre. Y a le attends, bouclier. Le blaireau, c'est le où truc y a avec le bouclier, c'est l'épée droite. Attends. Le blaireau, il a l'épée avec les dents, c'est le cimetière. Le truc avec des dents en bas. Donc ça, c'est le blaireau. Oui. Ok. Donc blaireau, dans quelle main? Droite. Ok, droite. Putain, c'est hyper dur. Ok. Ensuite, est-ce que t'as d'autres infos? Oui, j'ai une cigogne avec une épée beaucoup plus incurvée. Ouais. Qui ressemble un peu à un éclair. Mais sans le troisième bout d'éclair. Ok. Et la main de droite. Ok, est-ce que l'épée elle a un tout petit bout en dessous ou pas? Genre elle est vite fait en deux ou pas? Oui, ça fait un éclair avec des petits crochets. Ouais, ok. Donc ça tu m'as dit c'est la cigogne. Hein. Oui. Dans la main droite tu m'as dit. Oui. Ok. Main gauche, ensuite... bouclier en croix. Bouclier en croix? Oui. J'ai déjà bouclier en croix. Et J'ai pas de bouclier en croix. Un il bouclier est rond, rond avec une croix, enfin qui forme un peu des petites dents, quoi, un rouage. Ouais, mais j'en ai deux, j'en ai un. Est-ce que celui que tu vois, il est, il y a des petites pointes ou c'est juste des petites boules? Ça ressemblait à des petites boules. Des petits points? Des petites boules. Sauf des que là, je suis morte. C'est chez qui? C'est chez qui le bouclier? Le truc avec une couronne. C'est un lion. La cigogne? Non, le lion avec une couronne. Mais ils ont tout. La cigogne aussi, elle a un. Oh, putain, c'est ultra dur. C'est tellement dur. Je sais que c'est dur, mais moi je peux pas. J'ai pas plus de temps pour te décrire. Ouais, non, mais je sais, mais. Wow. Mais tu vas commencer à les connaître par cœur. Ouais, je sais, mais en fait, ouais, c'est ça, faut le faire plein de fois pour essayer de connaître les trucs par cœur, mais. Oh, y a tellement d'épées en fait, c'est chaud. Et je suis même pas sûr d'avoir pris les bons, tu vois, parce que je me dépêche pour. Ah, c'est dur, c'est très très dur. Ah, par contre, tu veux peut-être une petite pause ou on continue comme ça? On essaie une dernière fois, puis on fait une petite pause, j'allais te le proposer justement. Mais... Ok. Si tu veux bien. Petite dernière, on fait une petite pause de 5 minutes. Ça parle de bouffe, de clève et de dur. Ouais, on parle de ce qu'on peut. Est-ce que les boucliers, tu peux les voir de loin? Parce que ça m'aiderait pas mal. Déjà, si on peut pas faire trop. Les boucliers. Enfin, déjà, si j'en non. ai. En fait, la pièce est très sombre tant que je suis pas rentré, je regarde de très très loin. Alors j'ai l'impression que le premier animal, ça sera l'aigle. Ok. Le deuxième, je sais pas. Méchant je crois snake. Que c'est le blaireau, mais je suis pas sûr. Et alors J'ai un aigle, j'ai une cigogne, j'ai effectivement un blaireau et un rat. Non, et un lion, pardon, un lion. Ok, bah alors je...
Le premier, c'est l'aigle, c'est sûr. Il a un truc dans la main, je vois que dalle. Le deuxième, c'est peut-être le rat, je crois. Ouais, le rat, le lion, ok. Peut-être. Ou Ils le se lion, je ressemblent. sais pas. Ouais, le. Le Et lion rat. l'épée, je la vois de hyper loin. Et je vois juste que bah, elle a une base large. Ça Ok. fait de très loin, ça fait un peu comme un vase. Mais Ok, tu, enfin, je je sais crois. pas. Il va falloir que Ouais, je j'avance. crois que je vois, mais je suis pas sûr. J'avance. Vas-y, avance, on va Je essayer de se commence débrouiller. par l'épée du lion. L'épée du lion, ok. Alors. Alors, j'ai des petites dents en bas. C'est la même que tout Ouais. à l'heure. Les petites dents en bas et ça fait un haut assez arrondi mais plus large que la base. Alors attends, des petites dents en bas, un haut assez arrondi, mais là-bas. Normalement, je pense que c'est ça. Ouais. Attends, merde. Ça c'est l'aigle. Je suis pas sûr même. J'ai pas le time en plus de tout vérifier. Quelle horreur. Et ça sera la main gauche pour Main les deux. gauche? Ok, let's go. Ouais, de toute façon, faut essayer, hein. Et Faut se l'autre, figurer. c'est une hache à double. Une Donc dame. tu m'as dit c'est le lion ça d'abord, hein. Oui. Ok, la L'autre. hache tu m'as dit. À Hache, double tranchant? double tête. À Ouais. gauche. Non, à droite. À gauche. À droite pour du coup. Je me rappelle plus. Tu m'as dit le. Merde, le blaireau, je sais L'aigle. pas. Je... L'aigle, ok. À droite, hein, c'est ça? Oui. Ok, ensuite. Masse d'armes. Masse d'armes, ça c'est facile. À droite Ok, je pour sais la plus. cigogne. Grosse masse d'armes ou petite masse d'armes? Une grosse tête avec des pics bien Ok. pointus. Cigogne à droite ou à gauche? Cigogne, bah, la truc est à droite. Droite, ok. Et À gauche. Et un bouclier rond. bouclier lequel? Rond Avec avec. des. Un truc central et quatre petits points autour. Ouais, ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Donc ça c'est Blaireau. cigogne. Oui, Cigogne cigogne. toujours. Ok. Et attends, il me reste plus que blaireau du coup. Blaireau épée. À gauche. Et Avec. laquelle? Faut que tu me Une dises larme. laquelle. Une lame extrêmement large. Ouais. Avec une base très fine. Et toute droite. Et l'épée, elle est assez. Elle est plus courte que. Et courte. Oui, elle est pas très grande. J'en ai vu des Ok. plus grandes. Tes épées, Oui! M'en fous, hein. j'ai un mur! Mène Je peux plus faire de blague ton de cul sur ce stream. Ok, je crois que je cul! ouais, je crois que je l'ai. Ou c'est celle-là peut-être? Ça doit être celle-là. Vas-y, let's go. Et c'est tout, il a qu'une épée? Let's go! T'as même Quelle pas. main? T'as 2 secondes! À droite, je Quelle t'ai main? Quelle dit! main? À Droite? droite, je t'ai dit! Ça marche pas? T'as rien? Je suis morte. T'as rien? Ça fait rien? Je suis morte! Ça fait rien? J'ai fini, t'as fait. Oh merde. Mais tellement pur! Genre là, on a speedrun de ouf et on n'a pas réussi quand même. Putain, tellement dur! On va souffler 2 minutes? Ouais, grave. Oh là là, mais. Vous Y'a voulez peut-être. que Y'a je vous pas. laisse la musique comme ça ou je vous... Moi, je vous laisse la musique, je pense. Ouais, ok. Mais je vais couper les sons et je suis à toi. Incroyable. Y'a peut-être quelque chose qu'il faut que je fasse pour ralentir le temps. C'est tellement dur. J'ai perdu mon OBS. Hein?
que je serais très fier d'annoncer que j'ai mon permis en live, évidemment, si c'est le cas. Alors, toujours pas paru. Merde, ils avaient 10 ou 48 heures quand même. Alors, recours à vous. Bon. On est reparti, hein. C'est bon, je suis prêt. Je t'entends de très loin, là. C'est quoi ce bazar? J'ai plus de dosti dans mes oreilles. Bon, faut speedrun, quoi. Ah, ça y est, je t'ai récupéré le son. Le temps. De quoi t'as... Bah, en fait, t'avais plus de son, là, il y a deux secondes. Mais trop bizarre. Mais je pense que le jeu fait... Je sais pas, moi, j'ai des gros frises sur le jeu. Parce que... Oui, et ton son se barre aussi. Ah, parce que on est d'accord, en dehors du jeu, j'ai aucun problème. Non, quand on n'était pas dans le jeu, c'était bon. Ah, attends, il y a un truc au milieu sur lequel je peux agir, genre une espèce de... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le volant d'un bateau, là, déjà? Gouvernail? Non, pas, c'est pas un gouvernail. Si, c'est un gouvernail. Le volant d'un bateau, ça s'appelle un gouvernail, monsieur. Bah voilà. Donc vous avez un gouvernail qui, à mon avis, fait reculer la porte sur laquelle qui va me tomber sur la tronche. Donc on oui, a mais ça veut dire que j'avance pas sur les armes. Mais ok, oui, vas-y, on oui, mais ça veut dire que je peux faire tu peux faire reculer le mur et qu'on passe plus de temps sur un... Je savais que Snake allait sauter sur l'occasion du volant d'un... ça n'a pas raté. Ah là 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 là. Bon bah écoute... Ah, oh. Une barre, tout à fait. Oui, c'est ça, ou la jeu. Barre aussi, mais c'est aussi un gouvernail. Oui. Bon, hop, monsieur. Je fais speedrun. Tac, ok, je peux reprendre une arme, ouais. Hop, tac, tac. Alors, hop. Si tu veux faire ton speedrun, va chercher la hache à double tranchant. Alors, attends, parce que je crois que j'en ai deux. J'ai celle-là. On est d'accord, elles sont parallèles, les... Oui. En parallèle, les tranchants. Oui. Ok. Ils sont perpendiculaires, plutôt. Et, attends, je crois que j'en ai qu'une, en fait. Non, j'en ai deux. J'en ai une petite, où ça fait des espèces de cornes de buffle retournées. Ouais. Mais je sais. Fait... De très loin, ça fait des ailes de chauve-souris, ce que j'ai. Ok. Et l'autre... Ouais, l'autre fait des ailes de chauve-souris, c'est celle-là. Et ça irait donc, ça, sur le cerf. De très loin, le c'est cerf. Peut-être le cerf. Il est où le cerf? Il est là, le cerf. Tu sais dans quelle main? À gauche. À gauche, donc à sa gauche. Hop. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Il m'a fait un petit bruit comme quoi c'était bon. Par contre, apparemment, tu n'es pas sur la bonne scène. Oui, j'ai... Merci, Snake. C'est remis. ça m'arrive trop souvent, en vrai. Moi, normalement, c'est bon. Vous avez la bonne scène. Vous avez le son du Dosti, le mien. Tout est OK. Il y a l'armure, elle est vénère. Elle a les yeux rouges. Ça doit être la bonne solution. Ouais, je pense que c'est la bonne. Mais ça veut dire que depuis tout à l'heure, je faisais que de la merde. Ok, ça me rassure pas, hein, tu sais. Ouais, bon, je sais. Est-ce que je peux avancer? Parce que là, je vois rien du tout sur l'autre. Hein. Bah oui, 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 avance. Avance. Une hache à double tranchant avec des cornes de buffle. Est-ce que là, le mur... Quand je fais ça, le mur, il arrête d'avancer? Oui. Ok. Donc, corne de buffle, c'est celle-là, hein? Oui, avec la cigogne. Avec la cigogne, ok. Dans la main gauche. Dans la main gauche de la cigogne, ok. Le temps que tu regardes, je vais arrêter le mur. Cigogne, main gauche, tac, c'est bon. Ça a l'air d'être bon, il doit avoir les yeux rouges aussi, non? Ok, je te laisse regarder, je bloque la roue. Il a les yeux rouges, oui, c'est ok. Suivant. On passe à l'aigle. Il a un bouclier. Ok, lequel? Rond ou...
Celui avec le créneau au-dessus. J'en ai deux. Est-ce que tu peux me décrire en bas, l'intérieur? C'est la flèche. Il y a un rond. De quoi? Le créneau. Rond au milieu, il y a qu'un seul rond au milieu. Oui. Ok. Et ça, c'est pour l'aigle. Et c'est sur la l'aigle. Main. La main gauche. L'aigle, il est où? Il est là, main gauche, aigle. Ok. C'est bon. Elle me fait des yeux rouges. Ok. Maintenant, blaireau. Il a deux armes. Ok. Main gauche. Ouais. On a une masse d'armes. Et okay. Elle est alors, petite, toute droite. La tête est aussi grosse que le manche. Ok, je vois, donc c'est l'autre. Elle est de l'autre côté. On est bien niveau timing là, on est d'accord? Oui, oui, c'est bon. La salle, le truc est au fond de la salle. Ok. Quelle main tu m'as gauche. Dit pour la masse d'armes? Main gauche. Main gauche, ok. Et dernière arme? Un glaive tout droit. Mais vraiment glaive tout droit. Très Rejabille. Grand. Très grand et très pointu. Et la base, il y a des petites vagues, mais vraiment minimes. Pour que ça soit un peu plus élargi. Ok, je crois que je l'ai. Le haut est un peu plus élargi que le bas, c'est ça? Non, c'est le bas qui est plus élargi que le haut. Ah ouais? Et c'est une épée droite. Et ça ressemble à une arme à deux mains très grande. Ok, donc c'est pas ça. La poignée, elle est un peu bleue. Mais je sais pas si c'est un effet d'optique. La garde, elle est... J'ai une garde noire et bleue, mais c'est peut-être un effet d'optique. Des tout petits trucs. Hein. C'est une épée grande. Ah ouais, je crois que je l'ai. Genre les petits pics, ils sont vraiment tout petits, on est d'accord. Oui, c'est même pas des pics, c'est juste que, tu sais, il doit avoir une triple couche ou je sais pas quoi. Et, ouais. Et ça fait plus large, et puis... Enfin... Putain, mais comment on enlève? Attends, mais j'ai mis la mauvaise arme et j'arrive plus à l'enlever. Mm-hmm. Enlève-moi ça! Coucou, Sabli. Ah, voilà. Putain, faut que j'aille rechercher l'autre. Connerie de merde, de fait chier, putain, pardon. Je fais reculer un petit peu le mur. Oh ouais, là, il recule. Oh ouais, il recule. Oh oui, recule. Mais en fait, c'est trop facile. C'est bon, putain. Il est au fond, là. Ouais, bah oui. Il a bien reculé, il est trop... Attends, c'était cette épée-là. Mais en fait, là, je peux tester toutes les épées, au final, puisqu'on oui. a large le temps. C'est de pas prendre n'importe lesquelles. Ouais, nice. Il y a et n'empêche, regardez. Il y a et là, un... le signe, le jeu est quand même pas... Il y a qui m'a dit de me calmer. J'ai pas avancé pour pas débloquer. Nickel, bah GG. De quoi? Alors... C'est là qui m'a dit de me calmer. Alors, je l'ai. Merde, dit... non, je fais n'importe quoi. J'ai tout cassé. Remets-le. Alors, là, j'ai une table, une chaise, un levier ici. Mais veux-tu? Une porte close. Ah, voilà. Là, j'ai quoi? Celle d'armes. Non, mais les putes. Alors, soit j'ai trois vitraux. Ouais, moi j'ai trois vitraux aussi. Un levier à actionner. Est-ce que j'actionne mon levier? Alors, attends. Non, pas tout de suite, il est rouge. Non. Apparemment pas. Alors, moi j'ai trois vitraux aussi qui mènent à une porte verrouillée. Donc ça, c'est sur la gauche de ma pièce. Tout droit, qu'ai-je? Là, décor, j'ai l'impression... Une petite... escalier tout escarpé qui mène ici à un endroit où je pense que je vais devoir replacer les vitraux puisqu'il y a des vitraux vides cette fois. Ouais. Et à gauche cache donc j'ai aussi d'autres vitraux donc j'imagine qu'en est-ce fait que il faut tes que vitraux ils sont genre t'aurais deux pièces un monsieur une ouais. madame j'ai en fait j'ai les vitraux sont à chaque fois constitués de trois pièces et je pense faut effectivement remettre les vitraux. T'as trois pièces. Okay, ouais, j'ai trois pièces. J'ai tout en bas un espèce de fond. Effectivement, oui. J'ai un monsieur, enfin un personnage. C'est souvent un bon, monsieur. En gros, une madame, t'as un monsieur, madame et le décor. Ouais, c'est ça. Exact. Je commence par celui de tout à droite ou tout à gauche ou celui du milieu. Peu m'importe.
Alors, on va faire celui de juste gauche. Dis-moi lequel tu commences, mais... Gauche? Ouais, ok. Alors, en bas, j'ai... En décor, j'ai la fontaine. Ok. C'est une fontaine, ça. Genre, la fontaine, on est d'accord, il y a des arbres sur le côté. Et la fontaine, ouais. Je vais regarder les deux autres. Là, j'ai une fontaine. L'autre, c'est des armes avec des pics. Et l'autre, c'est que des arbres. J'ai une fontaine en milieu avec des petits buissons, si tu veux. Ouais, ok. Des arbres et des arbres. Ok. Ouais, c'est bien celle que j'avais vue alors. Attends, parce que je viens de voir que j'avais une grande salle au milieu de damier. Mais j'ai pas trop envie d'y aller maintenant parce que je me dis qu'on a déjà une autre énigme à gérer. Donc. Alors attends, je prends la fontaine. Va mettre ta donc fontaine. Ça, tu m'as dit, c'est. Ça, c'est la base de celui à gauche. Ok. Et gauche, bonjour base. Arluleg. Je suppose que ton bonjour. Abonnement t'a été offert par monsieur Anonymous. Pourquoi là, il y a une salle? Ah, j'ai un levier aussi. Est-ce que ça t'a activé quelque chose quand j'ai touché au levier? Est-ce que le levier m'active quelque chose? Non. Bon, sûrement, j'ai puisque pas j'ai... l'impression... Sûrement. Que je puisse ouvrir. Bon, en tout cas, j'ai appuyé sur le levier, on va voir ce que ça donne. Non. Une fois que tu as mis ton truc, tu me le dis que je. Ça, c'est fait. Alors, la bonne femme, elle est couchée. Tu me dis le milieu ? Elles sont toutes couchées. Ouais. Donc, celle-là, elle est... c'est juste ouais. Une rousse qui a la tête en haut à droite et elle a le corps de. Elle a la tête en haut à droite, tu vois. Ok, il n'y a pas d'épée. Elle a une rousse qui a une grande natte. Grande natte, ok, c'est pas celle-là. Elles sont toutes mortes, j'avais pas vu. Ouais, j'ai l'impression. L'autre, elle a des flèches dans le corps et elle a une flèche. Donc c'est celle qui a pas de flèche, qui a rien. Et oui, c'est peut-être une dague que t'as au milieu. T'as une dague, trois flèches dans le bide et une flèche dans le cœur. Elle a pas de natte. Ah, ah si, elle a une natte. Alors attends, elle a... Une rousse avec une dague. Une espèce de robe verte. Ouais, non mais ça je l'ai. C'est juste que j'en ai deux, des personnages comme ça. Elle a la tête à droite. Et je crois qu'il y en a une avec une dague et une avec une épée. Je pense que là c'est une dague. Petite... Elle est petite. Hein. Ça part de la main jusqu'à à peu près le cœur. Et ouais, elle a la ouais, main sur le ventre. Ouais, c'est celle-là. C'est bon, c'est placé. Le dernier. Le dernier, c'est le roi avec un casque et une barbe rousse. Une tête de tigre, non? Une tête de tigre. Ah, dans son casque. Non? Alors, non, il a un... Ouais, il doit avoir des dents. Je vois pas très bien, j'aurais plus dit une tête d'ours qui lui bouffe la tête, quoi. Ouais, bon, oui, c'est, ouais, c'est peut-être un ours, ouais. Ok. Ça doit alors, être ça. J'en ai deux des comme ça, alors faut que tu me fasses le détail. Il a est-ce des que... pics sur les épaules, là. Il Mais, a des t'as dit quoi sur les épaules? Des espèces de pics. Des espèces de pics. Oui, le symbole pic, comme trèfle, cœur, carreau et tout ça. Ça ah ok, un peu donc à c'est ça. De l'autre côté, c'est pas ceux-là. Yep. Ah, j'ai mal au cou. Et il y a deux... Je pense que c'est des ours ou des tigres, ou je n'en sers pas, mais des trucs, des bébêtes debout avec une couronne et une épée dans la main sur les deux, sur le plastron, à droite et à gauche. Attends, faut que tu me redises. Parce que sur les épaules, il y a le même symbole. Est-ce qu'il regarde à gauche? Est-ce qu'il regarde vers la droite plutôt, ou est-ce qu'il regarde vers la gauche? Il regarde vers la gauche. Pour lui, hein, pas pour nous. Pour lui, alors il a la tête qui retourne vers la droite. Dans le même sens que la bonne femme allongée. Ouais, donc c'est lui. Ah non, attends, il y a lui aussi qui regarde vers la droite. Est-ce que... Tu m'as dit, il a quoi il sur a son plastron il... Des ours. Je pense que c'est des ours. Il a deux animaux avec des épées en tout cas. Ouais.
Ça doit Et être. une couronne, et derrière, au fond, je sais pas si toi ça te change, mais j'ai un espèce de mur en brique, quoi. Ouais. Ouais, mais je crois pas que ça change pour moi. Attends, je vais l'emporter, je vais Non, regarder un petit peu ce qu'il y a. ils les ont tous, de toute façon. Tu m'as regardé, il va vers la droite, tu m'as dit. Il regarde vers la droite. Non, mais ça doit être lui. Merde! Récupère. Non, récupère. Voilà. Non, mais ça, c'est vrai que c'est. Je comprends pas les Et salles. sinon, j'espère que tu vas bien, Arlulay. Si tu peux faire un slash multi, si tu veux, pour voir Point la vision. d'exclamation multi. Point d'exclamation multi pour voir la vision de Dustinette. Je crois que j'ai oublié de le C'est dire. bon, le premier est fait. Le J'ai envie de premier est sauter. fait. Le deuxième, au milieu. Oui! Dis-moi tout. Alors, c'est une dame genre Artemis. Elle a un casque avec des ailes sur la tête. Ouais, Elle a un arc dans la main. ok. Ouais, et elle a trois flèches dans Et le elle a corps. trois flèches dans le bide. Ok, vent. Ah, j'ai oublié de dire. Et j'ai oublié de dire la base. T'as peut-être besoin de la C'est base. Hein. pas grave, c'est pas grave. La base, c'est les armes. Les armes. Ouais. Attends, les armes. Ça, c'est des. Là, c'est des armes. Il y a C'est deux ça? épées aux extrémités, il y a quatre Ouais, il y a lances des. qui se croisent au Attends. milieu. Attends, parce que merde, je l'ai pris et du coup, je vois. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul avec des armes. Mais... Ok. Donc, il y a deux haches quasiment au milieu. Deux. Un bouclier avec un espèce de lion, c'est ça? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Attends, je Moi, vais voir de j'ai l'autre côté. deux épées. Et au milieu, j'ai quatre lances qui font des V. Ah ouais? Ah non, j'ai Non une mais. lance. Ah, c'est des. Y a les haches. Excuse-moi, c'est un reflet Ouais. bizarre. Donc, Ok, non t'as mais c'est bon, de deux de toute façon, lances y a et que deux. celle-là qui a des armes. Ok, bah, Il y a que allez. celle-là qui a des armes, donc c'est forcément. La bonne femme, c'est. On a dit que c'était la bonne. Ouais. Et alors, j'ai Et Monsieur monsieur le roi maintenant. Couronne. Le même? Non, il a une couronne. Non, une Genre. tête. Ouais, ok. Ah, la tête Ouais, non mais sur je un vois, de toute bouton. façon, il n'y a que deux têtes différentes. Donc, j'ai une couronne version Louis XIV, tu vois, le gros Ouais, roi je vois. d'Angleterre. Il a. Je ne vois pas quoi sur son blason. Par contre, il a un collier de perles. Ouais, je vois Avec avec un. une petite Ok, croix. alors je vais voir parce que de toute façon des têtes comme ça, il n'y en a que deux. Donc on va se repérer, on va se repérer directement. Il est où? Il est là l'autre. Est-ce qu'il... Ah bah voilà, tout simplement. Est-ce qu'il regarde vers la droite ou vers la gauche pour lui? Bah, il a le même sens que la tête de la bonne femme, en gros. Ah mais non mais ah oui d'accord. La femme du dessous, c'est ça? Ouais. Donc Donc si c'est je ça. me tourne comme il regarde, lui il regarde vers la droite. C'est bon. C'est bon. Le Ouais, donc c'est dernier. bon normalement. J'ai Le pas ça dernier, m'a pas c'est fait de les son comme le dernier, mais arbres. normalement c'est bon. Les arbres, ok. Et là, c'est la madame avec Je la disais. couronne de fleurs. On est d'accord, les arbres, c'est 4 arbres côte à côte. Oui. Au milieu, il y a Ok. quatre arbres et puis avec des arbres sur les côtés, mais en plus gros. Donc, dame, couronne de fleurs. Et elle est Ok, couchée dans avec une l'autre flèche. sens. Elle a qu'une flèche et elle est couchée dans l'autre sens, par contre, Ouais. celle-là. Et Ok. donc le C'est bon. bonhomme, il regardera dans l'autre sens aussi, par rapport aux deux que tu viens de me faire. Ok, alors là c'est la même tête que le. Oui, c'est le même, mais dans l'autre sens. Alors. Avec la tête de lion, là. Donc il regarde à gauche là, c'est ça? Ouais. Alors est-ce que tu as un peu de détails? Qu'est-ce qui peut changer là? La tête de Est-ce lion. que. Est-ce qu'on voit quelque chose sur son plastron ou pas? Oui, pareil, mais c'est plus des lions, là, Ok, je te c'est dirais. lui. Ouais, non mais c'est lui de toute façon. De toute façon, si c'est pas ça. Si c'est pas ça, je suis morte, hein. Ça a changé quelque chose ou pas pour toi?
Je vais essayer de chercher. Non, je vois pas de changement. Ok, il y a peut-être une erreur alors. Merde. Qu'est-ce que t'as comme... J'ai envie d'aller par là, mais je me dis que... Je vais mourir si je vais là, non? Tu penses qu'on s'est trompé sur quelque chose? On a dû se tromper quelque part. Les dames, l'Artémis là par exemple, elle a des cigognes sur ses épaules. Ça, c'est une épée. Attends, attends. Est-ce qu'elle a une épée dans la main? Non, je dis qu'elle avait un arc. L'Artémis. Ah oui, c'est vrai. Non, mais oui, non, c'est sûr que c'est elle. Alors, est-ce que. Non, c'est elle, elle a une flèche. Non, mais de toute façon, je pense que là où on s'est trompé, c'est. Attends. Ça me paraît bizarre parce que je vois pas. En gros, pour les têtes tournées. Ah non, laisse tomber. C'est les arbres. Les arbres, j'avais pas pris les bons, je pense. Je crois que c'est ça. J'en ai 4 au milieu. Sur ouais, un fond blanc. Enfin, un fond plus clair. Ouais, c'était ça, c'était les arbres. Ouais, bah, il y avait deux types d'arbres. Win the battle in the name of Amber Adelaide. Ok. À tes souhaits. Bon, là, j'ai un espèce de jeu de société qui est. All troops attack the enemies. Caproc. All troops attack the enemies. Ouais. T'as un truc qui est apparu ou pas, toi? Moi, j'ai un espèce de jeu d'échecs encore qui est apparu. Alors, j'ai. Ça ressemble à un jeu d'échecs. Est-ce que toi. En tout cas, c'est sur un damier. Est-ce que ça t'a changé quelque chose là? Oui, tu fais avancer une pièce là. Tu me dis si elle doit mourir ou pas, ou à droite, à gauche. Alors là, il y a un caillou, tiens. Donc je pense qu'il faut que tu ailles à droite. Là, je vais à droite. Ouais. Va encore à droite, encore à droite. Est-ce que ça le tue si tu vas à droite? Ouais, ok. Alors ensuite, tu vas à gauche, enfin tout droit, puis full à gauche à fond. Non, à gauche. Encore, 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 encore. Encore une fois. Ensuite, tu reviens deux à droite. Puis tout droit, tout droit, tout droit. Voilà. Take down those towers and everyone in them. Ok, alors là il y a des tours à détruire et t'as un nouveau. Alors, tu peux avancer, tu vas une fois à gauche. Une fois à gauche, c'est pas possible, j'ai une pierre. Ah bah alors à droite. Ah mais attends, c'est à moi de te faire avancer? Je sais pas. Non, c'est moi qui avance, mais là j'ai une pierre où tu m'as dit d'aller. D'accord, bah alors à droite et puis tout droit. D'accord, donc moi j'ai un truc où il n'y a pas de pierre. Vas-y, encore. Encore. Faut tuer les tours là. À gauche, ouais, c'est ça, faut tuer les tours. Ah, mais attends, il y en a deux. Ah, alors vas-y, encore tout droit. Non, 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 retourne à droite, retourne à. Tout droit. Encore tout droit là. Ok, là à gauche. Et là tout droit. Non, 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 non. Ah, merde, attends. Faut faire demi-tour là. Demi-tour encore, encore, encore. Non, non, mais non. Faire. Tu recules d'un. Tu vas gauche. 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 Ouais, mais ça suffit pas. Merde, t'étais super encore bien là, c'est dommage. Gauche. Non, tu peux pas, moi j'ai une pierre. Ah droit. C'est con, on était trop trop bien. Je vais aller dans tous les sens là. Bah droite. Recule. Là j'ai une pierre pour reculer. Droite. En face. En face. À gauche, une seule fois cette fois. Voilà, et tout droit. Nice, GG. J'ai encore un truc. Their defeat is near. Alors attends. T'as encore deux chevaliers, ok.
Il faut détruire les tours, j'imagine encore. Donc, tout droit. Tout droit. Attends. Au niveau des pierres, comment on peut faire pour... Alors, attends. Là, en gros, il faut que lui... J'ai une pierre à droite. Ouais, non mais attends. En gros, lui, il faut qu'il arrive à prendre un cran d'avance par rapport à l'autre. Donc, demi-tour, pardon. Retour. Retour encore. Une fois à gauche. Une fois tout droit. Une fois à gauche. Droite. Enfin, tout droit, pardon. Tout droit. Une fois à gauche. À droite. Je peux pas aller à gauche. Retour alors, demi-tour. Enfin, un, voilà. Et là, tu peux aller à gauche ou pas? Oui. Ok. Et là, tout droit? Je peux pas parce que j'ai toujours la même pierre. Mais merde. Je peux avancer d'une case pour remonter. Ah la connerie. Alors attends. Est-ce que tu peux aller à droite? Puis tout droit. Puis à droite encore. Tout droit encore, est-ce que tu peux? Tout droit encore. Maintenant, il faut que tu ailles à gauche. Encore à gauche. Et retour. Enfin, marche arrière. C'est tout. Ça marche pas? C'est tout, je peux pas plus. Ok. Ah non, mais je viens de comprendre ce qu'il faut faire, putain. Ok, alors à droite, une fois. À droite encore. Tout droit. Non, ça a pas marché, pardon. On est mort. Ok. ouais. Comment on peut faire? Alors, attends, faut qu'il soit au même niveau. Okay. Le mec... Non, mais Zabli, carrément, il veut une femme interactive pour Noël. Oui. Non, mais voyons, Zabli. Tout droit pendant trois cases. Une, deux, trois. J'ai une pierre à droite. Ouais, normal. Là, tu vas une fois à gauche. Là, tu vas tout droit. Et j'ai une pierre. En face. En face. Oui, j'ai une pierre en face de moi. Et si tu vas à droite, tu peux? Ouais, encore oui. À droite. Tout droit. Tout droit. À droite. À gauche, pardon, à gauche. À gauche, my bad. À gauche encore, c'est possible. Tout droit. Et normalement, c'est bon. Et ouais, tu t'es fait capter. J'aime. Victory. Nickel, j'ai... Wait, this was a trap. My sons, what have I done? It was a trap! Vas-y, it was a trap! Et ouais. It's a trap! Ok, nouvelle salle. Oula! Oh! Il m'a fait peur! Je te jure de ce que tu m'as fait peur! Non, mais c'est toi qui m'as fait peur surtout! Bon, alors moi je suis sur un balcon! Oh oui, non! Oh non! Oh non! Revelez l'autre! Le retour de l'autre! Normalement, tu me vois, je suis en dessous dans le labyrinthe. Ouais, toi, bah je suis alors... au milieu. Oui, je te vois au milieu. Ouais. Alors, t'es où? Je te vois pas, t'es où? Là où? Fais-moi coup. Tu vois la chauve-souris? Ah oui, je te vois. Coucou. Oui. Ok, donc faut que tu me fasses sortir du labyrinthe. Ah oui, alors attends, faut que je saute en même temps là. Non, il faut que t'ailles de l'autre côté. Attends, on recommence. Alors là, vu que tu m'as vu, tu descends en bas. Enfin, faut que tu ailles au. Tu descends. Ouais. Tu vas à ta droite. Là. De l'autre côté de ta droite. Bon, on recommence. En gros, là, il est en bas à gauche par rapport à toi. Je descends et je vais à gauche. Là. Et ça change à chaque fois. Avance, continue. Tout droit encore. Tourne. Encore. Là, vas-y, cours, vite. C'est bon. Il est où l'autre? Je le vois pas.
Putain, j'ai rien pour voir mieux là. Je vois pas l'autre croix. Je te dirais que je vois pas la suite. Peut-être que je sorte. Tu vois un truc ou pas là? Non, je vois pas. Je te vois même. Ah, t'as pas des. Je vois pas la sortie alors. Oh, j'y suis arrivé par pur hasard. Ouais, bah je sais pas où t'es encore. Où est-ce que t'es? Je suis juste en dessous de toi. Regarde, ouais. Tu baisses bien les yeux, tu me vois. Mais je peux pas, y'a un balcon. Je suis juste en dessous de toi en gros. Ok. Mais t'as quelque chose à faire ou t'es fini le labyrinthe? Je peux sortir bah, de non, là pour Keblo. Attends, juste un truc. Ah, j'ai mal au cou. Bon, j'ai pas d'autre choix, c'est que là. Et t'es toujours dans le labyrinthe du coup. Oui. Guide-moi. Bah guide-toi toi-même parce que là je te vois même pas où t'es. Donc là c'est moi je vois. Je suis en dessous de toi. Mais je vois pas. Je te vois mais vraiment sort, mais pas. Non mais je peux pas te voir mon bal. Vas-y regarde mon stream tu vas voir que je peux vraiment pas te voir. Non non je regarde pas ton stream. Bon vas-y je. Ah là je te vois un peu. C'est bon. Par contre, je sais pas où est le truc, c'était de l'autre côté, sûrement. Tu sais pas où faut m'emmener, par contre. Bah non, je sais pas où faut t'emmener. Voilà. Oh, elle a disparu. Elle a disparu. Elle a disparu. De quoi? La marionnette, elle a disparu, regarde. Mais non, elle est toujours. Moi, je la vois toujours en face de moi. Bah, pas moi. J'ai même l'impression qu'elle s'est rapprochée. Alors, il faut que tu retournes au point où t'étais juste avant pour moi, là. Mais je suis dans un labyrinthe, comment veux-tu que je... Alors, il faudrait que tu... Alors là, tu descends, il faut que tu remontes. Ouais, par là. À droite, là. Descends de l'autre côté. Devant toi. Là. Et après, je vois plus la croix. Alors, démerde-toi. Je vois pas du tout, ça m'énerve. Bon, là une fois que je suis là. Je vois pas la croix. Putain. Et si tu te déplaces, t'as pas un autre. J'ai un balcon qui me gâche complètement la vue. Non mais est-ce que t'as pas un autre endroit où aller pour avoir des infos? Pourquoi alors... je vois plus la marionnette, bon, presse. Tu dois bien avoir un autre endroit parce que là moi je. Enfin j'ai aucune info quoi. Tu peux pas genre aller te balader ailleurs dans la salle si t'as pas je reviens dans la salle d'avant et j'ai toujours ça. Ah non mais autour du labyrinthe. Non, je peux pas. Je suis sur un balcon. D'accord. Un balcon au-dessus et je peux rien faire d'autre. Et la seule porte qui me reste, elle est verrouillée. Bon. Du coup, en gros, faut que je cours au hasard des couloirs. Bah ouais, et j'ai pas d'autre choix que de dire. Parce que là, tu vois, par exemple, je vois même pas où il y a des trucs. Attends, au pire, on repère les... Mais en gros, c'est toujours à peu près le même délire, là. Hein. Oui, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Non, c'était en bas, là. Je vois, je vois. Okay. Et après, je vois pas... Genre là, là, non, là je suis bloqué. Non, c'est de l'autre côté, là en bas. Eh ben, la croix elle a changé de place et je la voyais pas. Et moi j'ai vraiment pas. Ça me gonfle. Oh, ça y est! J'ai un miracle, je te vois du dessus, je peux enfin te déplacer. Ah! C'était forcément la solution. Faut que j'arrive à trouver à droite, à gauche par rapport à ta vue. Alors essaye de pas courir trop vite non plus. Je suis là. Coucou. Je te vois. Coucou. Donc, là, tu tournes vers... Allô, Angèle. Oui, je t'entends, mais... Je suis dans le milieu du labyrinthe. Le GPS est votre dirigeant. Alors, tais-toi. Tu vas à droite. Tu vas par là et tu vas descendre au prochain carrefour. Non. Prochain carrefour, ok. Là. Oui, de l'autre côté. Ah, elle m'a le temps. Bon. La même chose. Au pire, dis-moi. La même chose.
Donc attends, dis-moi droite, puis Oui, je vais essayer, mais je te vois du dessus, je te rappelle, et je vois pas dans quel sens tu te regardes. C'était... Là, je regarde vers la sortie. Oui, non mais oui. Donc là, tu fais la même chose. Tu vas tout droit, pas la première porte, la deuxième. Et... Ok, donc tac, tac, là, je vais oui, là. Oui, là. Là. Oui, stop, stop. Okay. Je t'avais dit stop. C'est trop tard. C'est bon, je suis revenu. Non, c'est bon, je suis revenu. T'es revenu. Alors, moi, du coup, faut que j'arrive à repérer les portes qui sont ouvertes avant de t'envoyer. Donc, en gros, là, tu vas aller par où t'étais. Jusqu'au bout, au mur. Et tu vas rentrer vers le bas. Et après, tu refais tout le tour. Okay. Tu refais tout le tour du cercle. Et tu vas à l'opposé. Donc là, tu cours tout droit. Cours. Okay. Cours. Tourne. Cours. Là, je fais tout le tour du cercle. Tourne. Va de l'autre côté. Là ? Mais trop dur, mais impossible. T'as tourné deux fois, là. Alors ah là... Ouais, mais bon. La porte, elle est où, maintenant ? La porte, elle est en haut. Je suis au centre. Oui, j'ai vu. Coucou. Donc, en gros, là, tu vas aller tout droit. Et tu vas remonter. Ouais. Donc, c'est sur ta gauche, à toi. Ok. Et après, tu redescends tout droit, puis à gauche. Oui. Donc, tout droit, gauche, droite, c'est ça ? Tu sors de là, tu vas à gauche. Oui, et ensuite ? Jusqu'au mur. Et après ? Jusqu'au mur, et ensuite ? Tu retourneras à gauche, jusqu'à la croix. Très fait, parti ! Tac, 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 tac. Tourne ! Et stop. À gauche, jusqu'à la croix. Stop, on revient là. Pas bouger. Ok. Je regarde où il y a des portes. Ok. Alors là. Je sais pas ce que c'est ça, j'espère que c'est pas en danger. Hein. Mais je tu me vois ? Coucou. Alors, là, hey. Tu vas... tu sors de là. Tu vas prendre à ta droite. Ok. Mais tu vas courir à fond jusqu'au bout. Ok. Jusqu'à ce que je croise un mur, c'est ça ? Ouais. Et là, tu fais le tour du mur. Tu longes le mur et tu retournes sur la croix. Le mur que t'auras en face de toi. Mais moi, je les vois pas, les croix, en fait. Non, mais tu t'en fous. Toi, tu vas courir jusqu'au mur. Une fois que t'as le mur en face de ta gueule, tu le longes. Ouais. Pour repartir tout de suite la tournée juste en dessous. Ok ? Vers la gauche ou vers la droite ? Tu longes le mur que t'as en face de ta gueule, donc en gros tu... On va voir. Là tu cours. Encore plus vite. Là tu... Et donc là je longe. Voilà, tout bien. Bravo, il a obéi. Alors... Eh, tu me vois ? Il m'énerve. Alors, là t'as un mur devant toi. Oui. Tu vas faire du droite-gauche, ok ? Gauche-droite plutôt, non ? Tu sautes le mur là, hop, tu vas le faire deux. Je vais juste derrière, genre, je vais là quoi. Oui. Ah oui, non, droite-gauche, ok, oui, je vois ce que tu veux dire, ok, my bad. Ouais, voilà. Je l'ai. Donc là, tu vas faire un mur comme ça, et tu vas refaire la même chose de l'autre côté, et tu seras au deuxième cercle. Donc droite-gauche, c'est ça ? Oui. Et c'est tout ? Et non. Et après, okay, en sortant de droite-gauche, je fais quoi ? Souci. Parce que je vois pas d'autres portes ouvertes. Celle-là, elle est ouverte, mais je peux pas t'emmener sur l'autre. J'ai pas un levier ? Y'a pas de levier, y'a rien ? Non, j'ai rien à porter. Au pire, je tente le droite-gauche, et je vois où ça me mène après, hein. Ouais, mais va falloir que tu remontes vers le centre après, donc... De toute façon, en si gros, je là, ça va faire droite-gauche, tu reviens plus au centre, donc le cercle est plus petit. Et après, va falloir allonger les murs, mais après, je te vois vers un mur. En gros. Ok. Bon, mais je tente. Pas d'ouverture. Ou... Vas-y, cours. Si je me trompe, tu me... Déjà, trompes. Là, je reviens vers le centre. L'autre côté. Ok. Et tu vois, c'était le cercle était là où tu viens de passer.
Ok, ouais, je vois. J'étais pas loin. En gros, là, il va falloir sortir par Outé et tu prends la deuxième. Et tu reviens. À gauche. La deuxième à gauche ou à droite? Ah, ok, y a rien. Ok, ouais, donc la deuxième à gauche. Voilà, c'est tout. C'est tout? Ok. Oui. 1, 2, hop là. C'est bon. Ok. Donc là, c'est fermé. Eh, tu me vois? Oui, je te vois. Coucou. Tu m'énerves, tu sais. Alors là, tu vas faire ton meilleur footing. Faut que tu partes devant toi, parce que derrière, t'as un mur. Tu vas jusqu'au bout du mur. Tu remontes vers le centre. Ouais. Tu refais tout le tour. Et tu retournes encore à l'opposé. En gros, tu vas courir dans un sens, dans l'autre et dans un autre. Alors, attends. Donc, je vais jusqu'au bout du mur. Prends ton meilleur doigt. Attends. Je vais jusqu'au bout du mur. Je prends à droite pour revenir sur le cercle intérieur. Tu prends ton doigt. De quoi ? Prends ton doigt. Oui. Tu fais un rond vers le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Tu descends. Tu fais l'inverse. Et tu refais l'inverse pour arriver à la croix. Donc je remonte encore et... En fait, tu vas tourner en rond. Donc tu fais un rond, tu descends, tu refais un rond et tu redescends. C'est plus clair quand je te l'explique. Oh non, t'as monté au lieu de descendre. Ah putain, ok, d'accord. Merde. Alors là, la sortie, elle est... Là, quand tu vas sortir, il va falloir que tu montes. Et pas que donc tu descendes cette fois. Oui. À gauche. À gauche. Puis à gauche. À gauche. Là, il bouge pas les croix, mais toi, tu bouges, hein, par contre. Tu y arrives plus. Hein. Coucou. Donc, oui. Je suis là. Oui. Il va falloir que tu reprennes ton meilleur sprint. Tu vas recourir comme tout à l'heure. Tu vas jusqu'au mur, tu longes le mur et tu es dans le truc. C'est ok ? Ok, je vois. Ça, je m'en rappelle. Ouais, c'est ok. Cours ! Allez ! Plus vite, Forest ! Allez, allez, allez ! Putain, c'est méga loin. C'est bon. Bon, maintenant, c'est le truc où on fait du drap de gauche, tu vois. Ah oui, c'est vrai, mais tu... oui, ok. Mais en gros, moi, t'as plusieurs cercles. T'as plus petit, plus gros. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à... Non, mais oui, je vois. Donc, droite-gauche, puis je prends à droite pour aller sur le plus petit cercle. Alors là, tu fais droite-gauche, et tu reprends à droite. Ouais. Et après, tu repartiras à gauche. Là, combien tième ? Avance. Fais un zigzag. Ouais, ça, un autre. Donc là, tu vas vers un... Voilà. Non, de l'autre côté. Vas-y, merde. Vas-y, remonte. Et encore un zigzag. Et là, tu... Ah. Et... Ah bah, attends, quand c'est fini. C'est tout plat. Comme ça, tu peux voir le chemin. Ah oui, ouais. On recommence cette fois-ci. C'est vers le bas, la deuxième porte. Ok, je vois. Hop. Donc là, si je me souviens bien, là c'est le truc où je cours à fond, quoi. Ouais, c'est le deuxième qui est un peu loin. Donc là c'est comme tout à l'heure, tu vas aller tout droit, tu fais l'opposé de ton cercle et tu repars à l'opposé. Ok. Tac, tac. Putain, c'est méga dur. C'est par là ? Ouais. Ouais. Okay. Ok, c'est nickel. Alors celui-là, tu vas là. Oh la vache. J'espère qu'il y a du temps. Alors normalement tu vas repartir vers le haut là. Okay, et en gros c'est... Je vais être obligée de te dire tourne. T'as pas le choix, t'as qu'une porte où tu vas tourner, ok? Ok, donc là je fonce tout droit en gros. Ouais, mais t'as un mur en face de toi là. Donc tu prends un peu à droite. Tu prends un ouais, peu à droite. Enfin, ouais, là je me suis pas mis face au mur. Oui, non, mais. Intérieur, mais ouais. Et quand je te dirai de tourner, tu tournes. Ok. Ok, tu me dis quand il faut que j'y aille. Go! Là tu vas tourner.
De l'autre côté. Où ça? Vas-y, vas-y, okay. Tourne. Tout droit, cours, 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 ça. Cours, cours, cours. Tourne. Ah, oh, c'était pas là, c'était où? Ok, ah ouais, non mais... C'est trop compliqué, dur. Là. Ah ouais, non mais vaut mieux que tu me dises, plutôt que de tourne, tourne ou cours, c'est mieux que tu me dises prends à droite, puis à gauche, puis à droite, hein. Je pense. Ouais, mais alors, ta gauche et ta droite, moi, elle bouge tout le temps. À chaque pas que tu fais, ta gauche et ta droite bougent. Bah non. T'es dans un cercle. Ton ouais, corps bouge. Mais tu vois pas ma tête, où est-ce qu'elle est? Bah si, mais... Parce que au début, genre, je... T'imagines en fait, qu'en une seconde, il faut que je comprenne où est ta tête, à droite, à gauche. Mais non, mais... Non, mais où tu est me ton le dis corps au début, à droite, genre, à gauche, et que je te le dise. Mais non, mais au début, tu me dis pas... genre, au début, je reste immobile, tu me dis le projet. Tu prends à droite, puis à gauche, puis à droite, un truc comme ça, tu vois. Parce que là, je bouge alors, pas, ma tête, premier, elle est au même endroit. Le premier, c'est comme d'habitude, c'est... Ouais. Voilà, et tu tournes. Ça, c'est bon. Là, c'est pareil, je m'en souviens. Celui-là, c'est pareil, c'est le même. Tu cours de l'autre côté. Encore plus vite. En bas. Voilà. Celui-là... Et donc là... Donc, en gros... Là, c'est là où il faut que tu ailles sur le cercle extérieur. Donc là, tu vas courir jusqu'au bout. Ça sera le premier croisement. Tu vas à ta gauche. Tu vas à ta gauche pour partir vers ta droite. Okay. La sortie gros, est à là, ta gauche, mais tu repars à l'opposé. Oui, oui, je vois. Je prends le croisement à gauche, mais je repars directement à droite. Voilà. Prochain. Donc, réexplique-moi. Là, je pars tout droit jusqu'à la prochaine voilà. Intersection ou jusqu'au prochain mur? Au prochain intersection, il y aura un trou, c'est le prochain trou. Ok, donc prochain trou gauche puis directement droite. Bah en fait, tu vas aller à gauche mais tu vas partir vers la droite. Oui, oui, je vois, genre je tourne à gauche mais je vais directement à droite. Quand tu seras là, il faudra que tu ailles à gauche. Ok. Donc là, je vais au bout du mur, c'est ça? Oui, tu veux. Okay. Bah en fait tu vas aller au bout du mur à gauche et après il faudra que tu ailles jusqu'à la sortie à droite. Ok. Puis à donc, gauche attends, et tu seras enfin arrivé. Attends alors. Tout droit. Tout droit première à gauche puis directement à droite. Voilà. Ensuite au bout à gauche. À gauche puis à droite. Ensuite puis à droite à la sortie, c'est ça? Oui. Okay. C'est tout clair. Bah, let's go. Ouais. Cours. Première je à gauche, puis droite. Au bout à gauche, puis sortie à droite. Ok, let's go. Allez, cours, moi je bois mon café. Tourne. Y'a rien côté. À droite. Tu m'as pas dit ça. Ah, en fait. Tourne. Tourne. Et c'est bon. Oh, putain. Tourne encore. Alors là, il faut que t'ailles tout au bout. Tout au bout, que tu repartes à l'opposé, que tu repartes là. Alors, là, tu vas descendre. Tout au bout. Il m'énerve avec ses coucous, je voulais mettre dans le... Tu vas y aller jusqu'au mur. Ok. Et tu pars dans l'autre sens. Enfin, tu... Donc, je vais à gauche et je repars, je fais une boucle dans l'autre sens. Voilà. Et après, okay, tu reprends. Ça sera à ta droite, il n'y a qu'une sortie normalement. Tu refais tout le cercle dans l'autre sens. Attends. Donc, tout au fond, à gauche. Puis encore à gauche. Enfin, prends tout au fond, prends ton doigt. À gauche, tu fais ton cercle vers le bas. Ouais. Ensuite, je prends à gauche, je fais le après, cercle dans l'autre sens. Après, tu refais le cercle dans l'autre sens. Puis tu je prends à droite à la première pour faire un petit. Tu refais un cercle. Attends. Donc, tout droit, je fais le cercle. Je prends à gauche, je refais le cercle intérieur. Voilà. D'accord. Et tu refais encore un cercle. Je refais un cercle. En gros, là, tu fais un premier cercle grand. Ouais. Tu prends le cercle numéro 2 plus petit que tu refais. Mmh. Le cercle numéro 3 que tu refais, il est plus petit que le 2. Et tu reviens dans le 2 pour repartir vers
Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc à gauche. Ouh, ok, alors attends, que je fasse le... Donc là, je vais juste... Du grand cercle. Ouais. Je prends à gauche pour arriver dans le... Dans le, dans le cercle moyen. Ouais. Et donc là, dans le cercle moyen, je prends la première dernière droite, c'est ça? Ouais, vers le cercle encore plus petit. Ok. Donc, petit cercle. J'ai pris à droite, je reprends à droite pour encore faire le cercle dans l'autre sens, c'est ça? Voilà. Donc là, c'est quoi? Je vais jusqu'au bout et je reprends à droite dans le cercle, c'est ça? C'est à peu près, ouais, à chaque fois, tu vas à peu près jusqu'au... Une fois que t'as tourné, tu vas jusqu'au mur d'en face. À peu près. Ok, et après, c'est tout? Une fois oui. Ça, c'est bon? Quand t'auras tout fini, ça sera pas mal. Ok, go jusqu'au mur. Tu tournes. Putain, c'est méga long. Allez, encore. Tu tournes. Tu cours. Tu tournes. Tout droit. Ok, nickel. Et il y là... a encore un truc, là? Oui. Faut que tu retournes au centre. Là? Ah, faut que je retourne au centre. Ouais, non, mais attends, je te donne le chemin. Alors, attends, je vais... Non, mais je crois que je vois, mais... ouais, vas-y, en vrai. T'arrives à voir? Bah, si je saute, j'ai une idée, quoi. Ok. Donc, en alors, gros, le si mieux, je comprends bien, faut que je... Le mieux, ce serait que tu partes, pour ton grand cercle, le tour le plus rapide, là, c'est de partir à gauche. Je peux pas partir. Oui. On est d'accord, en gros là je prends à gauche juste à ce qu'il y ait un mur, ensuite je fais gauche dans le cercle moyen, puis gauche. Je vais tout droit et ensuite j'essaye de trouver un moyen dans le cercle inférieur pour rentrer dans oui. le milieu, c'est ça? Okay. Oui. Ok, bon bah let's go. Et tu pars à gauche, là c'est sur ta gauche, là c'est sur ta gauche. Merde! Et ça va être à ta non droite. T'étais juste à côté! Ah le seum! Attends, Dusty. Ah, c'était un 1 sur 2 quoi, j'ai perdu mon sauf 1 sur 2 secondes, il est 4 heures. Ok. Tu veux continuer? Ouais. Bah, on avait dit 16h30, ouais. Ok. Après, il faudra que je bouge, mais. Bon, là, tu partiras. Hors de question que je laisse un stream alors qu'on était si près du but. Là, tu pars à ta gauche. Ok. Et gauche. Puis encore. Là. Gauche! Merde, my bad. Je l'ai. Je m'en souvenais. Donc là, si je me souviens bien, c'est à gauche. Alors là, ça va être à gauche, le mur. Tu longes le mur. Le longe, c'est ça? Ouais, ok. Ça... Isabli, tu voudrais pas être à la place de qui? Bon. Non, mais il se moque de moi, c'est monsieur. Alors là, c'est le moment où tu fais gauche-droite. Voilà. Alors attends, gauche-droite, ensuite cercle intérieur, cercle du oui. milieu, c'est ça? Oui. Ok, cercle du milieu, je fais quoi? Quand tu es au cercle du milieu, tu reprends encore. En fait, là, ça va faire gauche-droite, gauche. Attends. Gauche-droite, tu parles du petit gauche-droite de début ou pas? Non, le mur, là. Ouais. Tu le passes? Ça va faire ouais. ta première gauche. Ok. Après, tu vas à droite. Ouais. Ok. Et gauche. Gauche au bout du mur gauche. Ou y a un... Oui, t'auras un mur en face de ta gueule, mais... Ok. Donc gauche, puis gauche encore, c'est ça? Oui. Et après, ça sera okay. droite. Et normalement, c'est tout droit. Ok, alors. Donc là, je fais mon gauche-droite. Je reviens sur le cercle ouais. du milieu, c'est ça? Ouais. En passant par la droite. Mm-hmm. Quand je suis bloqué par un mur, je prends à gauche, c'est ça? Mm-hmm. Ensuite, je continue jusqu'à pouvoir aller vers la droite, c'est ça? Oui. Et ensuite, c'est tout droit? Mm-hmm. À peu près, okay, ouais. Ok, donc gauche... Vas-y. J'ai besoin de... Vas-y. T'as le chemin, c'est bon. Donc gauche-droite, ok, on va y arriver. Gauche-droite. Là, je vais là. L'autre non, côté. Je suis pas là. Non, c'était bon. C'est fini. Attends. Ah, c'est fini. Merde. Tu vois pas les le mur quand... En dessous. Merde, non, c'était là. Ah, oh, je suis nul.
Attends, je vais y arriver. Vas-y. Donc là, c'est fermé en bas, là. Ici. Par, c'est par le bas. Voilà, là, hop. C'est bon. Là, je m'en souviens. Ouais, c'est le même. D'autre côté. Ouais, je sais. En bas. Merde. Heureusement qu'il bon, m'a dit, je m'en souviens. Run, allez. Ouais. Ouais. Et ouais. Tac. Speedrun. Oui. Tourne. Tout. Voilà. Nice. Là, c'est le moment où tu cours jusqu'au mur, mais t'es dans l'autre sens. Alors, là, ça va être droite, gauche. Et gauche, tu pars à l'opposé d'où tu regardes. Ok, alors attends. En gros, je suis cercle extérieur. Je vais jusqu'au bout, jusqu'à ce que je croise un mur. Voilà. Là, je vais à gauche, reviens sur le cercle du milieu. Oui. Ensuite, je prends la première à droite, c'est ça ? Oui. Ok, donc je reviens sur le cercle du centre. Mm-hmm. Et une fois que et je suis sur le cercle le du centre, je... Tracé. De quoi ? Après, c'est bon, ça sera tracé, tu iras jusqu'au mur. Et... Ok, donc quand je suis sur le cercle du centre, je vais jusqu'au mur, puis à gauche, et je trouve direct, c'est ça ? Non, t'auras un petit... C'est gauche-gauche. Enfin, tu seras... On va tester non, droite-droite à la fin. Tourne. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. Et là tu fais. Tu seras. Tourne. Et là c'est encore droite. Ouais, c'est droite, 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 droite. Non. Et merci. Là tu y es. Bravo, tu y étais. Putain. Ok. Non, c'est pas du tout par là. Oui, 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 oui. C'était bon. C'est par là ? Oui. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ok, my bad. Celui-là, c'est toujours le même. Allez, cours encore plus vite. Cours, Forest, cours. Voilà. Donc. Celui-là, c'est le gauche-droite, là. Ouais, alors attends, gauche-droite. Je reviens sur le cercle du milieu. Par là, en avant. Vas-y, à droite. Je vais te faire un gauche-droite, je vais essayer. Vas-y, cours. Ouais. Non, 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 je préfère que tu me dises le chemin avant. Là tu vas faire donc tu vas faire ton tour vers la droite donc après ça sera ouais. gauche donc droite attends juste dis-moi par rapport au cercle genre là je fais mon petit gauche droite je reviens sur alors là tu vas faire je vais dans le cercle 2 ouais. Le moyen là j'avance ouais. Dans le cercle moyen je redescends dans le grand je vais dans le moyen. Attends, dans le moyen, pour redescendre dans le grand, je vais jusqu'à ce que je croise un mur. À chaque mur, là, il faut que tu fasses des arrière-tours dans chaque mur. Regarde si oui, t'arrives. Mais ce que je veux dire, si c'est que c'est pas une intersection, murs. C'est... Attends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'intersection, c'est genre, je vais à droite... Bon, en fait, droite, les intersections, elles sont directes. Il y a juste un... Imagine-toi oui, c'est ça, j'ai pas le que choix, quoi. T'as c'est une ça, petite barre. T'as une petite barre, il faut que tu tournes autour de la petite barre. Pour pouvoir avancer. Représente-toi hein une roue et tu imagines que la non, roue mais oui, il y a oui, des oui, je vois. Ok, ouais, je vois. Mais du coup, en gros, donc là, je fais mon petit gauche-droite, je reviens sur le cercle du milieu, je prends par la droite, ensuite je ressors là, sur le cercle extérieur. Ensuite. Là, en gros, ça va te faire droite, gauche, droite, droite. Ouais, gauche, mais ça, c'est impossible gauche, à retenir, Zangel. Non, mais ça, c'est pas possible de retenir. Genre, faut que tu me dises par rapport au cercle. Genre, là, on est d'accord. Là, tu vas à droite, cercle 2. Tu vas à gauche, cercle 3. Tu vas à droite, cercle 2. Droite, cercle 1. Gauche, cercle 2. Gauche, cercle 3. Droite, cercle 2. Non, mais comme ça, j'y arriverai pas. Comme bah ça, oui, j'y c'est pas. Pour ça que j'essaye de faire gauche-droite. Non, mais attends, en gros, laisse-moi faire un. Genre, je vais là, je. Droite. Rentre oui, sur oui. Le cercle, on est d'accord. Okay. Non, mais ça, c'était bon. Et ensuite, je vais à droite. Droite pour aller dans le grand. Ok. Donc, let's go. Hop, droite. C'était... Ah, mais non, mais c'est pas droite. Voilà, et. C'est où ? C'était là. Non, mais je... Ouais, mais non, et mais t'as là, un c'est mur impossible. Là ou pas ? Ben
Oui, j'avais un mur. En face de toi, t'avais un mur. Oui, j'avais un. Bah alors, putain, je voyais pas le chemin. Non, c'est l'autre côté. Merde, je suis con. Oui. C'est celui que tu cours partout, celui-là. Ouais. Tourne. Ah, mais je suis nul. Ah, là, je suis vraiment naze pour le coup. Pas grave. Et en même temps, ton GPS, il est pourri. Non, ça va. C'est nice. Ok. Alors. Donc là. Tu fais la même chose de l'autre côté. Je pars tout droit sur le cercle extérieur, on est d'accord? Oui, je reviens. Je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À gauche pour revenir sur le cercle du milieu. Oui. Alors ensuite, quand je suis sur le cercle du milieu, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Voilà, tu vas jusqu'au mur et tu pars à l'opposé que tu viens d'arriver. Donc d'accord, ok. Et après, là, je prends la première à droite, c'est ça? Voilà, oui. Ok, et ensuite? Ensuite, tu suis la route pour aller jusqu'à l'autre cercle, t'auras une porte et t'auras pas le choix. T'arrives dans un coin. Donc là, une fois que j'ai pris à droite pour arriver dans le cercle intérieur... En gros, la seule difficulté, c'est ce que t'as là. C'est que tu vas partir et tu vas repartir à l'opposé. Ok, bon, let's go alors. Et après, c'est tu prends les murs. Donc là, je repars à l'opposé, voilà, première à droite. Voilà, tu fais droite, le tour complet. Hop, là, tour, et tu retournes. Ah, ok. Ça l'a fait. Donc, en gros, là, le souci, c'est de se mettre une difficulté pour rien. Alors, ouais, là, okay. Et là, normalement, si je me trompe pas... Ouais, là, je l'ai, normalement. Ok. Faut juste que tu me dises... Alors, attends. En gros, je t'explique ce que je pense faire. Là, tu vas là je vais tout droit, puis à gauche. Tu pars à l'opposé. Ouais. Tout droit, à gauche. Ouais, je crois que je l'ai. Et moi, je crois que je l'ai, mais... Ah si, bah c'est tout droit là. Ok, let's go. Putain, faut pas que je me gourre. À l'opposé, voilà, cours. Là, c'est à droite ou à gauche? Non, t'as été tout droit. Ah, c'est pas... Oui, tourne là. Tourne, et là, t'es y été. À chaque fois, ça fait trois fois que tu me fais le... C'est le dernier. C'est à chaque fois que tu me fais quoi d'ailleurs? Là, c'est... Et ouais, là, je m'en rappelle. Pardon. Non, mais c'est moi. C'était... Ah, merde. C'est frustrant. Ah ouais, c'est frustrant de ouf. Donc là, on a le partout. Gauche. Ouais. Ah, c'est tellement frustrant, c'est clair. Mais, et celui-là, tu vois, j'ai un souci. Parce que moi, tu m'as dit que t'avais un mur. Alors, ouais. Je ne vois pas de mur. En gros, quand t'es à la fin, là, en face de toi... Ouais. Vu que tu vois à peu près les murs, en face de toi à l'opposé, est-ce qu'il y a deux murs qui sont transparents, quoi, en gros? T'as le cercle du milieu qui... Ouais, normalement, là, j'ai... Et bah, en fait, là, à chaque fois, tu te plantes. Il faut que t'ailles tout droit. Tu passes du 3 au numéro 1, en gros. Ok, d'accord. Et en gros, c'est là-dessus que tu te foires. Donc là... Tourne de... Si, c'était... Et là, c'est tout là droit. Tout droit. Et tu y es. C'est là où je suis, là, c'est ça? Voilà. Et à chaque fois, c'est là qu'on se plante. Putain, là, j'y étais presque. Bon, oui. Ok. Là, c'est bon, j'ai compris. En plus, on retombe sur le même, donc ça, c'est bien. De l'autre côté. Non. Merde. C'était trop facile. Je veux brûler les étapes. Ah, ouais. Ah oui, j'avais plus la croix, moi. À l'opposé, ouais. De l'autre côté. Prochain, tu respires un coup. De l'autre côté. Ah, mais à chaque fois, c'est anti-intuitif, c'est chiant. Pardon. En vrai, je veux speedrun et au final, je fais plus perdre du temps qu'autre chose. Mais bon. Donc souffle. Là, tout droit. Puis je refais un cercle dans l'autre sens. Puis je repars encore dans l'autre sens. C'est voilà, ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, tac, je repars dans ce sens-là. Et hop, demi-tour. Je vais là. Ok, ça donc c'est bon. Donc là, c'est celui. Là. C'est celui où on fait presque pareil, mais en plus grand. Ah oui, ok, je l'ai, ouais. Je m'en rappelle. Donc là, je vais à l'opposé, là. Ouais. Là, ensuite je fais ça. Ensuite, première à droite. Ensuite, je ressors à gauche ici. Et tourne. Ça. Non, tourne. C'est bon. Ok, nickel.
Et celui-là... Là, c'est le dernier ou pas? Faut que j'aille au milieu ou pas? Non, c'est pas là où faut que j'aille. C'est celui qui était tout droit, mais celui que t'arrives pas à faire non plus. Ouais, j'ai pas réussi à le faire celui-là. Donc, en fait, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Tu vas tout droit jusqu'à la porte, enfin jusqu'au mur. Tu repars à l'opposé. Ouais. Et avant le mur que tu auras en face de toi, il y a un petit trou pour aller au centre. Ok, donc sur le cercle intérieur au dernier moment. Voilà. Et après, tu refais le tour. Tu refais le tour et tu iras tout droit. Tu tournes pas. Et tu seras arrivé. Ok, donc attends, dans le cercle intérieur, je vais tout droit et je ressors du milieu pour tout le temps tout droit, quoi, c'est ça? Ouais. Oui. Ok. Donc. Gauche jusqu'à l'intersection. Ouais, tout droit. Tu repars dans l'autre sens. Ouais. Dans le cercle plus petit. Tu refais la même chose. Tu seras. Là, en fait, la porte, elle est en face de toi, du mur, si tu regardes. Donc, prends celle. Cercle extérieur, je vais jusqu'au mur. Cercle du milieu, je vais dans l'autre sens. Oui. Jusqu'au mur. Cercle intérieur, du coup, est-ce que je vais dans l'autre sens ou est-ce que je continue dans l'autre sens? Tu repars dans l'autre sens et tu vas jusqu'au mur. Et après, tu iras tout droit. Ok, let's go. Coucou, Iragas. Bon, ensuite, tac, on part dans l'autre sens. Tourne. Tac, ici. Et genre, là, je continue. Tout droit. Nice, GG. Et donc, là, faut que je retourne au milieu, c'est ça? Et ouais, il faut que tu retournes au milieu. Donc là, tu vas aller partir sur ta droite, c'est plus rapide. Ouais. Tu vas faire. Attends. Là, tu pars à droite. Donc t'arrives par là, ça sera. Je crois droite, que je l'ai en vrai. Donc là, je vais au bout, je prends à gauche, je repars dans l'autre sens, dans le cercle du milieu. Et alors là où faut que je fasse gaffe, c'est. Quand je suis dans le cercle intérieur, faut que j'aille à gauche ou à droite. C'est ça. Là, donc, en gros, toi, là. Oui. Alors, juste devant toi, quand tu auras l'intersection qui est à l'opposé de ton mur, là. Ouais. Faudra que tu partes vers ta gauche. Donc, ça, c'est quand j'arrive sur le cercle intérieur, on est d'accord. Oui. Ça, c'est quand j'arrive sur le cercle intérieur. Là, en gros, tu vas à gauche. Non, mais ça, je sais. À droite.